y enfin, a ouais, un, un poseur de lentilles qui doit venir ou pas Je sais pas euh... est-ce qu'on fait ça ou pas C'est comme tu veux. Est-ce qu'il faut que tu te sois Moi je te te m en m en est pour... Ouais, enfin, moi, ça me... si il est là c'est juste pour le. Je crois qu'il a... va arriver donc. Euh... Le mec a carrément un poseur de lentilles. Parce ouais, qu'au début quand t'as jamais mis de lentilles, c'est compliqué. Le truc qui démarre jamais. tes <laughs> <laughs> ça, ça donne... Bon maintenant il y a la personne qui doit me couper les ongles qui arrive. <laughs> Mathieu t'es relou là. Mathieu désolé c'est vrai Mathieu c'est délirant. Mathieu t'es sûr parce que c'est ça le sketch. C'est la première fois quand même, ça non Il y a un mec qui met de lentilles qui arrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de mon ami Navo. Je suis ton de ami. L'éternel. Et je suis accompagné d'un autre ami, Mathieu ouais. Chédit. Comment tu vas, Mathieu ça, ça, ça va super. bien Comment tu vas, bravo C'est bizarre de dire comment, comment tu, tu vas. vas. Comment tu vas Comment tu Bravo. Bien ça plus. devient un peu contine. Comment tu vas, Mathieu ouais, Je suis bien dans l'ambiance dans enfantine en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'es en là ah, je... dedans. Bah oui, oui, je viens d'amener mon fils à l'école, euh, ma fille à la crèche, tu vois, donc je suis, je suis bien là-dedans. Tu es un de nouveau jeune papa. Mmh, c'est ça. ça. Donc là, est-ce est que c'est compatible avec les concerts à fond <laughs> et tout, là, le, le, le changement de rythme c'est ouais, intense. Ça. Oui, exact. Mais en même temps, c'est des moments justement où quand tu pars en concert, tu es à ton rythme et tu te reposes un peu, malgré les concerts flamboyants. Mais généralement, depuis, tu sais, quand tu fais beaucoup de dates, tu répètes plus, tu fais plus de balance, tu fais plus de. Tu arrives le soir directement pour, le, pour, pour jouer. Ouais, et donc, ouais, tu donnes toute l'énergie à ce moment-là. Ce qui fait que la journée est plutôt calme. Et, et bizarrement, c'est ce qui me permet de récupérer quand je retrouve mes enfants. T'as quasiment 25 ans de carrière, Mathieu. Quasiment, bah, dire depuis depuis que as commencé en tant que guitariste pour, pour, des, pour ton père ou pour Sinclair. Mmh. Non, si tu commences, si tu reprends à 93 à Oui, ça doit être ça, oui. Donc, ça concert, fait, là, ça, fait, ça 30, va faire 30, 30 ans là. Premier concert avec oui, oui, si oui, oui. Souchon Jonas dans la salle. Oui, oui, oui c'est vrai. Ça, c'est premier concert. Ouais, <laughs> ah, oui, évidemment, puisque c'est vraiment, tu sais les. Bah, déjà, j'étais euh, mon premier groupe, c'était les Enfants de de Souchon. Et de Woolsey, et puis euh, aussi de Antoine Benguigui, qui était le fils de Jean Benguigui, mmh. qui est toujours d'ailleurs, et qui est un mec génial aussi, on, et mes amis d'enfance et d'adolescence, et puis on a commencé comme ça. Donc évidemment, les parents venaient nous voir, donc ça, ça, ça c'était assez impressionnant. Et il y avait Michel Jonas, je crois, qui était venu aussi, accompagner les, les autres copains. Comment on grandit ensemble dans un milieu aussi artistique comme ça, avec ton père et tout Il mmh. y, a, y, a, y a forcément une destinée à un moment donné Parce que c'est ce que, une question que je me pose aussi, je me mais... dis, mais. Est-ce que le fait que mon fils va me voir monter sur scène va lui oui. donner envie de prendre un micro ou de ouais, jouer ça... de la guitare ou quoi que ce soit Oui, je le vois à travers le, le mien. Mon fils aussi est de 4 ans et demi qui, qui évidemment, fait des spectacles toute la journée, <laughs> se déguise. Alors, et même, si c'est même un peu gênant parce qu'il chante mes chansons. Ce que faisait pas ma fille, d'ailleurs, Billy, quand elle était petite, c'est qu'il y avait plus de... je C'est pas plus de plus d'hommes, mais c'était peut-être une fille, justement. Plus de détachement. Avec mon fils, il y a une identification assez dingue. Qui me, qui me trouble un peu parce que j'ai pas du tout envie qu'il chante mes chants. Enfin ça me gêne quand il il est là, il fait grand petit con et tout, il fait il est à fond. Il chante mal Non, il chante non, il chante pas très bien. <laughs> ça, ça me ça gêne, arrête, que... ouais, ça me gêne, il ça. chante super mal. C'est si en dos, c'est en dos. <laughs> non non, c'est surtout qu'il est euh, il est il est vraiment il, il est baigné là-dedans et effectivement bah tu sais c'est quand même assez euh, ça fait rêver quoi de voir des musiciens, des grandes scènes, des décors, de la lumière. Oui, des... mais vu que ça fait rêver quand si tu veux, ça m'aurait fait rêver, moi, parce que ce n'était pas ma vie quand j'étais gamin. Oui, c'est ça. Et quand c'est ta vie Oui, oui. En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est très, très banal, puisque. En plus, quand tu penses à ma famille, tu vois, je pense à mon, Par exemple, mon fils, à... Ses... ses oncles et ses tantes sont des artistes, ses grands-parents aussi, enfin, ses arrière-grands-parents. Enfin, tu vois, donc, tu es entouré, quoi, d'artistes. De... Et euh... donc, c'est assez banal. Et à la fois, c'est. Euh... C'est-à-dire que ce... l'extraordinaire est... est un quotidien. Donc, c'est assez étrange. Ah oui, c'est ça. Loin. Il te voit devant des milliers de gens pendant les festivals, devant 25 000, 90 000 personnes parfois. Il te voit devant ces gens. Alors, oui et non, parce que c'est vrai, que quand c'est très grand comme ça, généralement, euh, je... il ne vient pas. Mais il est quand même venu à Bercy. Mais euh... oui, petit truc, quoi. Oui, c'est ça. Il vient dans les moyennes salles, genre Bercy. <laughs> ça. Ça. Mais je sais pas comment. J'ai je... du mal à me mettre à sa place parce que c'est vrai qu'il a l'air il a de trouver ça assez normal et à la fois et... ah c'était trop mignon une fois je, je crois que c'était après un concert à d'ailleurs au Folies bergère tu vois pas moins grand ouais. et mais il parlait tu pas encore très ton, bien ton album, ouais exactement je lançais mon album et, et, et donc je crois que c'est la première fois qu'il me voyait vraiment dans une salle et tout et je vais le voir après je lui dis, ah, là, mon chéri, ça non chérie c'était ça s'est bien passé pour toi et il m'a dit oui oui mais je suis très pressionné. <laughs> très pressionné. c'était quand même oh. bouleversant mais euh, donc voilà donc il est donc il le dit il l'exprime quoi que c'est quand même pour lui euh... Oui, père, oui. impressionnant et à la fois c'est sa vie aussi quoi enfin je sais pas c'est dur de mettre des mots là-dessus mais, mais euh, voilà c'est l'idée aussi de cette transmission familiale qui fait qu'on a tous plus ou moins été baignés là-dedans même si j'ai eu la chance aussi que mon père soit quelqu'un d'ultra créatif talentueux mais beaucoup moins ostentatoire que moi qui suis dans un truc super héros grandiloquent mon père est plus plus sobre et donc j'avais moins cette euh, tu vois, cette vision de quelque chose d'explosif, de, c'était quelque chose de plus posé pour moi, je crois. Est-ce que tu as un souvenir dans ton enfance où tu t'es dit... parce que tu as commencé la musique, tu es passé par la guitare Tu as, as, ah as, oui, oui, as, as commencé, vraiment, tu as commencé, tu es rentré dans la musique par la en guitare. En fait, pour tu fais pour la te... guitare. <rire> exact. <rire> non mais, mais je veux non, mais pour, je... Te... pour tout te dire... Tu ne je... sais pas, tu ne je... coutes ah, pas. C'est la première fois que... <laughs> ah, <c 'est rire> ah, est ok, ma... guitariste je donc. Je suis ravi de te Tu okay. <laughs> parles beaucoup de ses parents, de sa famille, je ne sais pas du tout qui est cette personne. Oui non c'est ça mais pour la réalité c'est que en fait je voulais faire de la basse. J'ai commencé par la basse mais quelques semaines et c'est mon père qui m'a dit euh, la basse tu sais c'est sympa mais c'est un instrument de groupe tu n'iras <laughs> jamais très loin avec la basse faut... je sais pas enfin il était dans ce, ce concept là il m'a dit fais de la guitare parce que tu peux faire des accords, composer des chansons. Donc voilà, et Donc... tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit waouh, je veux faire ça tous les jours, maintenant c'est tellement intense. Mmh, mmh. Tu as pris une décharge, tu étais fan de Jimi Hendrix mais mmh. t es, t es, t es, t es tellement intense tu dis ça à partir ouais. de maintenant, je ne sais pas quelle âge ah tu oui, à ce moment-là, mais tu dis, OK, ouais. ça, je ne lâcherai plus, ça, c'est terminé. Oui, il y, a même, il y a toute une histoire, effectivement, où je suis dans la, dans la maison de campagne des, des, des Souchons, et euh, avec Pierre et Charles, d'ailleurs, les enfants et tout, et puis il y avait Julien, vous le dites, et tout ça. On était dans le grenier, on faisait de la musique, et on squattait les instruments des parents d'Alain, de, surtout, sur et notamment une, une Gibson SG, mais tu sais, un peu à l'abandon, il restait une corde dessus. Et ça suffisait pour faire les riffs de, des Rolling Stones, c'est dang, 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 dan. Et on faisait un peu n'importe quoi, on jouait, on, faisait, on balbutiait comme ça dans ce, dans ce, dans ce grenier. Et puis tout d'un coup, arrive David McNeil, grand copain d'Alain Souchon, entre parenthèses, fils de, de Chagall, tu vois, le peintre, tu vois, et un type extraordinaire, wow. qui, avec qui il a écrit. Pas mal de textes. C'est une page Wikipédia, là, ton C'est un truc de ouf. Il y a des trucs en bleu partout. Il <laughs> faut que tu cliques cliquer sur tout. Ouais, c'est ça. Toutes les liens sont en <laughs> bleu. Début, Moi, sont... ça me rappelle euh, Mickey, tu sais, où les Tiny Toons, quand ils prennent des, super, des héros connus et ils font la version enfant. <laughs> <là. rire> c'est que. Il y a vrai. Mini euh, Souchon, il y a un autre Mini Souchon. Là, il y a Mini Chagall qui arrive. <laughs> Moi, je j'étais là, Mini Chedid. <laughs> mais on dirait. Euh... Impressi c'est impressionnant. Faudrait faire un dessin C'est impressionnant. Ouais, et donc il arrive, il est. En fait, on l'a réveillé d'une sieste parce qu'il était dans une chambre à côté. Mais on le savait pas. Et il arrive un peu bougon, il fait non les, les gars là, franchement arrêtez vous faites n'importe quoi là laissez nous laissez-moi dormir et puis et là il me regarde il fait Mathieu là tu joues sur une corde c'est pas ça la guitare la guitare c'est des accords donc si tu veux je vais te montrer ce que c'est donc là il prend une bougon guitare sympa. sèche. bougon c'est très sympa non mais sur, tu sais le... j'ai envie de dormir mais bon je vais t'apprendre la guitare <laughs> je, vais mettre, je vais mettre deux trois années et je vais t'apprendre C'est ça. Non, et, alors, et là un moment vraiment qui a changé ma vie donc il dit voilà bon la guitare c'est un mi mineur tu sais les accords de basse c'est mi mineur la mineur ré enfin je sais pas. Donc il me montre les trois quatre accords de base et il me les apprend. Et là la première fois de ma vie que je fais gring comme ça tu vois et ça me met dans un état je sais pas ça me... je... pourtant mon père aurait pu le faire mais je ne sais pas si c'est arrivé là. Et j'ai un... et là je, je sais qu'il n'y avait pas de médiator dans la pièce et tout donc j'ai pris des allumettes et j'ai joué ces accords et je te jure je crois que j'ai joué toute la nuit à tel point que j'avais les doigts qui saignaient carrément et évidemment les allumettes se cassaient parce que ça ne tient pas du tout. Et euh, ça m'a rendu fou. Et là, je suis rentré de ce week-end euh, à la maison complètement euh, chamboulé. Et j'ai demandé à ma mère de trouver un prof de guitare qu'elle a pu trouver la semaine d'après. Qui s'appelait fils de qui du coup <laughs> Il s'appelait Christian Sanchez. C'est Christian, Hendrix. Le fils de Jimmy Hendrix C'est ça, Et ce mec a été génial pour moi parce que c'est sincèrement lui qui m'a vraiment fait découvrir. Moi, j'étais plutôt né dans la chanson française et tout. J'avais évidemment triper les Beatles, ça font des trucs, mais, mais par contre c'est cet homme Christian qui m'a connecté à la, au monde des guitaristes, c'est-à-dire alors évidemment Jim Hendrix, Jeff Beck qui m'a rendu fou, euh, mais même Charlie Christian qui était le premier guitariste de jazz, qui faisait de la guitare électrique, c'était euh, et puis enfin, voilà la liste est longue, Eric Clapton et tous les autres, mais ça a été un et là je suis rentré dans ce monde de la guitare et à partir de ce jour là je n'ai jamais lâché la guitare et c'est devenu un truc incroyable parce que ça m'a même sauvé de ma timidité parce que j'étais vraiment quelqu'un de euh, assez... Euh... Je ne te vois pas faire une crise d'adolescence par exemple, tu vois, je ne te vois pas du tout... Euh, oui, 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 alors ça c'est vrai qu'il y a en ça. Envoyé, ouais. euh, paître tout le monde, je te vois vraiment très... Euh... Oui, très, très docile, très... Docile, oui. Docile est le mot. Et d'ailleurs, à, à tel point que mon père, quand j'ai genre euh, 16-17 ans, me dit, euh, un jour il vient voir en étant en Corse, je me rappelle en vacances, et puis il était en fait lui qui est... Je sais pas ça le paniquait de me voir trop gentil tout le temps comme ça il fait un, un truc Ah mais je te la, t en t en la jure jure ma louange c'était ça pour toi la gueule rend... ça. vomi non il m'a dit Mathieu je suis un peu inquiet tu t'énerves jamais tu veux pas t'énerver un peu je sais pas ça ça ça, 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 ça le faisait flipper <laughs> et euh... <laughs> je te tellement... témoigne il venait de lire un hein, c'est un fait divers on ne comprend pas il était très calme très gentil avec tout le monde mais c'est Mathieu ce truc. voilà donc c'était assez dingue et en même temps je me rappelle d'une fois où, euh, où justement on est dans la cuisine à, à, dans une maison qu'on avait dans le 14 e et puis mon père on est à la, dans cette petite cuisine où on mangeait souvent et puis il me dit euh, tu veux vraiment alors la guitare ça te plaît ça devait faire un an et demi que j'en faisais Ou, je sais plus exactement bref et euh, alors je dis ouais j'adore ça c'est génial et il fait mais, mais tu veux vraiment t'y mettre alors tu, tu vas donc faut que tu travailles je lui dis bah oui oui je, je, vraiment ça me passionne et il me regarde dans les yeux comme ça je pense que c'était un écho à son père aussi et il me fait alors c'est super mais par contre il faut que tu sois le meilleur et ça et ça bizarrement ça m'a parce que j'étais pas dans ce trip là du tout de compétition de rien tu vois j'avais juste envie de, de faire de la guitare d'apprendre et donc ça et ça et ça ça m'a révolté je me rappelle que j'étais ça m'a mis dans une colère incroyable où je lui dis mais moi je veux pas être le meilleur j'en enfin, je suis parti dans ma chambre et je, et je me suis un peu fâché pour une fois et euh, parce que je... voilà et d'une certaine manière ça a travaillé, pas, non pas forcément d'être le meilleur, mais de. Tu vois, ça m'a sûrement. Euh, il m'a transmis un truc de travail, de je sais pas quoi, de. Je sais pas de quoi, mais ça a été un, un truc important aussi. Et tu sais, pardon, tu sais pourquoi euh, il partait du principe qu'il fallait être le meilleur oui. Parce oui. Ah, mais je sais pourquoi. Que, je je l'imagine pas comme ça, j'imagine plus. Oui. Peut-être parce que je te connais plus oui. que, que je l'ai connu lui. Le, oui. le, pour moi, justement, il y a ce truc de on s'en fout. Oui. Moi, je te vois trop me dire, mais... hey, on s'en fout, sois pas le meilleur. Est-ce que quand tu évidemment. fais de la guitare, tu kiffes Ouais, bah, alors clair. viens on kiffe, bah, même si tu joues un peu mal, c'est pas grave, je t'accompagne. Complètement, t'as raison. Ça c'est mon état d'esprit. En fait, c'est bien pour ça que j'étais en colère, parce que j'étais pas du tout dans ce trip là. Mais mon père, je pense que il a, son père et tu sais, travaillait à l'institut Pasteur et était quelqu'un de très, je sais pas si on peut dire compétitif, mais en tout cas de qui a, qui a toujours dit à mon père depuis qu'il est né, faut être le meilleur à l'école, faut être le, tu vois, et ben, un truc comme ça. donc donc c'est vraiment évident que ça venait de son père. Okay. Et que c'était un espèce de truc, même inconscient, qu'il avait peut-être même pas envie de dire, mais qui était plus fort que lui. Tu en as reparlé un peu avec lui de ça, d'être de ouais. le meilleur ouais, 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 évidemment, évidemment. Est-ce que quand t'es euh, Solidays, il euh, y a 120 000 personnes devant toi, tu fais « Et voilà, je veux dire à mon père, voilà, <laughs> je suis le meilleur <rire> <rire> Bonne soirée à tous <laughs> !» Non, parce que c'est ça. Très sincèrement, en plus, c'est un peu comme ces trucs de victoire de la musique et tout, c'est extrêmement euh, touchant et, et franchement, ça. Ça m'a marqué, quoi, tu vois, d'avoir effectivement la reconnaissance de ses pères et tout, c'est pas rien. Et d'un autre côté, euh, quand on dit, tiens, t'es le recordman des victoires de la musique, tu sais, t'as envie de dire, mais on ne on fait pas du sport, on n'est pas des... Tu vois, je, c est, c est, c est, ça veut dire quoi Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que notre ami Aurel San, qui en avait 12, il m'a dit, tiens, il te talonne, il va bientôt te dépasser. Tu fais, arrêtez les mecs, là, franchement, ça me gêne parce que tu vois c'est quand même un peu délicat la musique c'est pas ça le concept c'est quand même de enfin même si on est dans un monde très compétitif je pense que d'ailleurs c'est le monde d'hier quoi que ça c'est il faut qu'on arrive à... à switcher un peu mais ouais, ouais. mais d'une certaine manière c'est je crois pas que ce soit, soit ma motivation et c'est peut-être ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui aussi et que j'ai la chance d'avoir encore du public qui me suit c'est parce que je j'ai pas cette ce stress là je crois alors est-ce que c'est une clé alors là c'est un avis totalement subjectif que je mmh. vais donner euh, moi, je te suis depuis maintenant euh, 23 ans. Depuis les premiers, depuis Jeudi M, depuis les premiers albums. C'est pas méchant ce que je veux dire, au contraire, mm. c'est plutôt flatteur. Je veux dire, je, je pense que Révalité, ton dernier album que tu as sorti maintenant il y a un an et demi, je crois. Mm. Je crois que c'est son meilleur album. Je, je, et je trouve ça fou qu'après 30 ans de carrière, on arrive encore à sortir son meilleur album. Tu vois, normalement, dans les parcours des musiciens que j'ai toujours vénérés, par exemple Muse, je trouve que les meilleurs albums sont les premiers. Tu vois, et après, je trouve qu'il y a autre chose. Ouais. C'est autre ouais, chose Ça ouais. part. Je trouve que tu arrives à te renouveler et à donner du meilleur. Je, vraiment, j'ai passé, euh, passé tout l'été quand c'est sorti à écouter en boucle l'album. En plus, c'est la BO de la naissance de mon fils, donc ah tu vois, il y a là. un truc. Mais euh, tu as réussi à te renouveler, à faire ça bien et à le faire avec le cœur, tout en étant toi. cest que tu n'es pas parti ailleurs, mais, tu vois. Oui. Et je me pose la question, parce que quand tu avais fait aussi euh, Il, mm. tu étais déjà avec Mojo, avec des trucs comme ça, tu étais déjà. Je me souviens, on, quand on s'était vu là, c'était à une époque où on, on commençait mm. à se fréquenter, mm. tu étais dans une période où justement tu. Tu t'es dit on arrête les comme si t'étais sous injonction à faire mmh, des albums t'étais mmh. plus dans maintenant l'injonction c'est on arrête les il faut ouais. et si un il faut c'est il faut s'amuser ouais. tu vois oui ça c'est vrai et de plus en plus je trouve que tu t'ouvres et que tu te que tu lâches en fait quelque chose est-ce que ce que ça... est-ce que j'ai Est raison ou pas c'est juste un Alors, juste une tu sais, déjà c'est c'est <laughs> ça marrant comme long. question <laughs> non c'est juste c'est ton meilleur album est-ce que j'ai raison oui, c'est ça ça fait oui c'est vrai Parce que, que, que je, je me suis déchiré j'allais te dire tu sais ça fait du bien entendre sincèrement parce que c'est on est tellement conditionné puisque c'est souvent légitime de dire que les premiers albums sont quand même souvent les plus les plus honnêtes les plus instantanés et j'ai toujours cette inquiétude terrible de me dire est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un petit peu de réchauffer de tu vois pourquoi c'est derrière c'est fini Vas-y, tu travailles le matin c'est terminé c'est terminé Mathieu derrière toi c'est fini alors on va faire grille test et ensuite on ferait une compile <laughs> tu auras ta soirée spéciale sur France 2. voilà c'est ça maintenant ta vie bah oui depuis le, en plus euh, que je suis rentré au musée Grévin on peut se poser des questions <laughs> non mais tu vois et donc il y, y a ce côté là c'est à dire que je j'ai toujours cette inquiétude et, et j'ai le sentiment effectivement parce que je suis tellement un, un fils du présent d'être euh, de faire euh, ma meilleure tournée mon meilleur album cette, je, suis, je je suis dans ce truc là parce que je suis dans l'enthousiasme le, permanent donc j'ai j'ai cette sensation mais il faut avouer que euh, c'est tellement peu de gens, euh, tu vois, quand, quand, comment dire, quand, le, quand la nouveauté est passée, tu, tu sais, pour que, retrouver cet enthousiasme collectif, c'est pas évident. Alors, je le retrouve sur scène et sur disque. De hein, toute façon, ça existe. Euh, J'ai beaucoup de chance que ça existe. Et de, même, j'allais dire, de vendre encore des disques est aussi un peu un miracle. Tu te demandes qui achète des disques encore physiques. Mais. Euh, mais voilà, je, je, je sais pas, je, je voilà, ça me fait très très plaisir parce que je je sais pas si beaucoup de gens le pensent autant. Que... Ah, je le pense à ça. Je, je connais très très bien ce que tu fais, vraiment de, depuis le début, quoi. Ouais, depuis, sais, ouais. euh, en plus, il y a ce live à l'Olympia que tu avais fait en deux, dans les années 2000, qui était c'était oui, euh, oui, oui. euh, mmh. vraiment très drôle. Il y avait une caméra sur oui, le, 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 le tour de M, le tour de M, qui était révolutionnaire, tu vois déjà à l'époque de sortir un truc comme ça. Et je trouve qu'à chaque fois, je me dis j'écoutais avec ma femme on dit, mais quand même c'est vachement bien quoi. et quand tu sors des titres euh, bah, Rivalité un, c est, c est, tu sens que c'est un banger tout de suite ça, ça part ça, t'es obligé de l'écouter tu dis waouh j'ai envie d'écouter jusqu'à la fin mais après quand tu plonges dans l'album c'est-à-dire oui, tu racontes quelque chose dans ton album tu vas dans il euh, y a une chanson qui s'appelle Ce jour-là mm. qui est très calme mm. qui est très posée mais dans laquelle tu fonces et bizarrement c'est une chanson écrite par ta grand-mère aussi Oui, oui Ce C'est fou parce que c'est là où je me suis dit, putain, j'adore cette chanson, c'est ma préférée de l'album. Et Trop en fait, c'est exactement comme, c'est la même alchimie avec Jeudi M. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'il y a une histoire. Le jour où je. Enfin, je, je, je pianotais ce morceau, euh, il y a un piano qui est, qui est dans l'arrière cuisine, enfin bref, de, à la campagne. Et donc, je pianotais, euh, j'avais cette mélodie en tête tante, enfin, le, ouais, les accords et la mélodie. Mais j'avais pas le texte, rien ne me venait. Et je me disais, tiens, je sens que c'est un. C'est un morceau, importe, je sais pas quoi, important émotionnellement. Il faut que le texte soit à la hauteur. Et là, quand je me dis ça, je pense à ma grand-mère parce que et, et, et ce que je fais, ce que j'ai poète. Oui, pardon. Ma grand-mère oui. est poète, romancière euh, et, et très inspirée. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à écouter, à écouter, à lire sa poésie et même ses romans d'ailleurs qui sont incroyables. Mais euh, et donc, il y a d'ailleurs des recueils, je crois chez Flammarion, qui est un espèce ouais. de de recueil où il y a toute sa poésie. Je fais un geste pour okay. les références. Et hein, c'est magnifique. Il monte souvent sa bite comme ça. <laughs> <laughs> c'est à propos. Et, et, et c'est vrai que tu peux ouvrir c'est des poèmes assez courts, généralement, très denses. Et tu ouvres n'importe quelle page et tu te prends une, une, une bouffée d'oxygène à chaque fois. Donc là, j'étais là avec ma, ma mélodie un peu perdue au niveau de, du sujet. Quoi. Je ne savais pas quoi dire. Et je, je fais ça souvent je prends le livre de ma grand-mère que j'ouvre à une page au hasard et que je pose sur le piano. Et ça tombe sur cette poésie qui ne, ne s'appelait. Le morceau euh, édité en avril 1991. <laughs> impression, ah oui, impression, Paris, impression, impression, Deuxième <laughs> impulsion. Cher Mathieu, <laughs> voici ce livre. Ça voilà. serait une bonne idée, ça. <laughs> et euh... bon, ouais, je suis tombé sur cette page. Je ne <laughs> sais plus d'ailleurs quel était le. Parce que ce n'est pas le titre d'ailleurs du poème ce jour-là. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Mais par contre, euh... voilà, donc je le... la poésie, là, et, je, et, je... et c'est assez dément. Ça m'arrive assez souvent avec ma grand-mère. Et là, je, je chante en immédiatement la chanson et ça marche tout, tout, marche tout seul. Et ça devient ce jour-là, qui okay, un est un des mots de cette, cette poésie que je, que je prends comme une sorte de, de mantra, comme ça. Et, et alors là, il y a un truc qui se passe. Il y a les enfants derrière, je me rappelle qu'ils jouaient. Et, et, et je ne sais pas ce qui se passe. Je ressens euh, sûrement la présence de ma grand-mère très, très fortement. Et je me mets à pleurer. Alors, que je suis assez pudique, je ne pleure pas si, si souvent que ça. Et là, j'ai. Mais un peu en sanglots comme ça. Mais personne ne me voit. Je suis même un peu gêné. Je me dis Qu'est-ce que c'est que ces conneries Tu vois, parce que l'alchimie du texte, la rencontre du texte et de la musique me, me crée une émotion euh, étonnante. Mais qui, qui m'est rarement arrivée d'ailleurs, tu vois. Et tout d'un coup, comme s'il y a une rencontre qui se fait et que ma grand-mère est là. Enfin bref, un truc mystique. Et voilà. Et ça a été. Euh, et je me suis dit Là, il se passe un truc. Et c'est vrai que c'est sûrement euh, le morceau sur scène, comme euh, sur le disque, qui me, qui me touche le plus. Mais c'est fou quand même que. C'est comme s'il y avait une signature de votre alchimie entre, entre tous les deux. Je n'étais même pas au courant que c'était ta grand-mère qui avait écrit ce Je je fais, c'est dingue, mais c'est vraiment le, le M qu'on connaît. Mmh. Tu vois ce que ouais, je veux dire Complètement. C'est fou quand même d'avoir de, de, cette similarité. Sans même la personne le savoir. Parce qu'il y a cette connexion entre nous deux qui a toujours été là. Euh, je, quand je parle de ma grand-mère, quand je la vois, tu sais, dans des archives, vidéos, je ne sais pas quoi, ou des photos, il y a toujours un truc où j'ai presque envie de pleurer. Enfin, tu sais, comme si on avait une connexion Très forte euh, au-delà du... Au du réel, oh, je sais as, pas. Tu un souvenir avec elle, euh, un truc qui t'a marqué, qui te dit waouh, ce moment-là, c'était. Il y en a plein, il y en a plein. <laughs> Mais déjà, par exemple, la première fois qu'on écrit une chanson où euh, elle fait une émission de radio, je crois, et euh, on m'appelle en direct. Elle voulait que. On, on lui a demandé euh, à... qui voulait appeler pour lui poser une question. On est sur Énergie, il est 8h15, <laughs> on va tout de suite! <laughs> <laughs> c'est t'imagines. <vraiment>, euh, <laughs> <T> <laughs> avec la musique et tout. On a Mathieu Chédid pour son album Jeudi m tout de suite. alors ta grand-mère, ta grand-mère nous a appelé <laughs> Et là, je crois que c'était à l'époque, de... j'avais fait mon premier disque déjà. Et donc, euh... ah oui c'est ça. Et je devais poser une question à ma grand-mère en direct euh, dans une émission de radio. Et donc, euh, je suis en direct et je lui dis, écoute, euh, est-ce que tu me ferais ma question Ça serait, on en a parlé déjà. J'adorais qu'on fasse une chanson ensemble. C'est mon rêve et tout. Et elle me fait, oh mon petit chéri, c'est une super idée. Euh, évidemment, bah, donne-moi un thème de chanson. Alors je lui dis, bah, M. Bah, génial. Ah oui, bah, c'est une super idée. Bah, je, je te rappelle tout à l'heure et je te fais une chanson. Et ça, c'est je lui dis ça dans l'après-midi. Et elle, elle rentre chez elle, elle, elle ça, ça l'inspire. Elle l'écrit vraiment, franchement, en une heure le texte. Et elle me le faxe. J'étais dans le suite chez mon père. Et elle me le faxe. Alors là, c'est aussi un délire. Parce que ça a toujours été comme ça. Pareil, j'avais une mélodie sur le moment qui m'entêtait. Qui était la mélodie de Jeudi M. Il y a le texte qui arrive, je chante direct dessus. Et mon frère Joseph, qui avait 8 ans, il, il adorait participer avec moi aussi à la musique, mais il ne savait pas jouer encore très bien. Et avec son doigt, il fait. En même temps que je faisais les suites d'accords, il faisait. Il faisait deux notes, sol là, sol là, comme ça. Et ça a donné le thème de la chanson. Donc ça a été une chanson collective, familiale. Ça ne tient à rien, c'est ouais, ça qui est fou. Ouais, ça sûr. tient à un instant avec un ouais. enfant. Et... Donc voilà, voilà. Donc, ça veut dire que ça a commencé déjà de façon assez. Euh... Explosive, la première chanson qu'on ait fait ensemble. Et après, j'ai mis en musique des poèmes à elle, comme Bonobo, un morceau mmh. sur les singes mmh. amoureux. Et plein d'autres après. Des chansons aussi pour les clowns sans frontières, en piste, des... plein de morceaux. Hein. Je me démasque, parce que aussi, elle voulait. Elle me disait, mon petit chéri, c'est super dans là, mais c'est comme un peu clownesque. Il faudrait que tu arrêtes ça assez vite. Euh, donc, je, je t'ai fait, fait une chanson pour que tu arrêtes, hein, comme ça. Je t'ai fait une chanson pour sortir de ce personnage qui s'appelle Je me démasque. Donc, j'ai fait la chanson, mais je suis resté quand même. Euh... Ouais, non, c'était mignon. J'ai envie qu'on fasse un petit jeu ensemble. C'est un truc qui s'appelle lecture de notes. Mm. Alors, lecture de notes, qu'est-ce que c'est C'est qu'on va plonger un peu dans le téléphone de Mathieu et même dans le mien et dans celui de Navo. Mais Navo ne prend, prend plus de notes. <laughs> je vais revérifier, mais vraiment... Hein, maintenant, et en fait, notes, on... je t'envoie les textos, moi. Ouais, c'est dit... vrai, à chaque fois. Ouais. On, on est un peu habité d'idées et on les note tout de suite parce ouais. que la, le pire danger pour une idée, c'est de disparaître. De ne pas la noter. Enfin, je mmh. pense qu'il faut une exigence de noter. Tu fais ça, toi aussi Ah oui, des... mais alors c'est vrai que je suis très nostalgique des cahiers, tu sais, ouais. notamment les Moleskine, qui est, ouais. quand, même, est quand même sublime. Et euh, parce qu'à l'époque, tu vois, je, je retrouve tous mes cahiers de l'époque et c'est quand même hyper émouvant de voir les ratures, de ouais. voir huit fois le texte réécrit pour l'affiner, de voir euh, les idées oubliées. Euh, et c'est vrai que depuis deux, trois ans, je... ben, on a la facilité d'avoir ce petit truc-là. C'est génial, évidemment. Et ça m'aide beaucoup, mais, mais j'ai. C'est vrai que c'est quand même ultra émouvant parce que tu vois le manuscrit, le, le petit dessin à côté, l'idée qui n'est pas forcément un, un, un texte, mais qui est aussi un concept visuel. Parce que moi, j'adore aussi quand je fais mes, mes tournées, tu sais, il j'ai toujours, euh, toujours des, des, des images qui me viennent alors je fais des petits croquis euh, enfantins comme ça. Mais tout ça, ça crée quand même une, un univers que je trouve plus complet. Donc voilà, petite frustration euh, avec, avec le numérique et mais surtout, qu'est-ce que tu laisses aussi comme trace quand tu as des carnets Moi, j'ai des carnets, ouais. tonnes de carnets à la maison. Ouais, c'est quand, quand même beau, quoi. Il y a un truc. Ouais. Euh, wow, il, a, il, a, il a plongé sa vie à écrire des trucs. Alors, moi, j'ai un. Maintenant, je fais des notes euh, par da, par année. Genre, j'ai une note maintenant qui s'appelle 2023. Voilà. Et je... Ah, c'est bien. Parce que mais moi, c'est C'est vraiment rien du tout. Vraiment, je regarde. Le seul truc que j'ai, c'est de dire c'est cool pour les marionnettistes. Parce qu'en fait, ils peuvent aller à la télé. Genre, ils insultent la grand-mère à Michel Drucker <laughs> et on leur dit rien. C'est-à-dire que si tu viens, que tu t'assois, tu dis Michel Drucker, c'est quand même une grosse pute. j'ai Jamais vu ça. Tout le monde dit mais bah, Monsieur, sortez du plateau. Alors que si t'as juste une marionnette, qui dit mais tout de même, Michel Drucker, c'est quand même une grosse pute. Fais, oh, poupou, tout le monde. Mais Michel est là. Oh, poupou, arrête. Oh. C'est sa main, hein, c'est lui qui l'a dit. <laughs> c'est la seule blague que j'ai. Elle date de janvier. Écoute, Mathieu, si tu veux. Ouais, bah écoute. Ouais. Alors là, par exemple, c'est euh, un essai de d'une version, une adaptation française de euh, Goodbye Stranger des Super Trump, mm -hmm. mais qui est encore en, en cours, c'est-à-dire que je vais encore l'affiner. Okay. Et euh, tu vois là, c'était au petit matin hier, j'étais debout avant l'aube, comme votre présence me fut chère, je m'attache à l'oublier, comme un roi laissant son royaume, comme une reine sans couronne. Au matin, je suis un lover et je rêve toujours d'ailleurs, etc. Mais ça dure des plombs. Bah. Ouais, mais euh, tu vois. C'est bien, mais je préfère le truc de la marionnette avec Michel Rocard Je suis bien d'accord. <laughs> je suis bien d'accord. Mais tu vois, ça peut être, c'est plein. Alors sinon, ça peut. Ah être donc, des... ça dans ton téléphone, est ce que je sais pas. Ouais. Oui, effectivement, il y a toujours cette image. Je t'imagine avec un, une plume sur. En plus, j'aime bien écrire, sur, un, bien, sur sur une une ça, feuille, ça. Euh, écrire des textes. Euh, ça. Mais c'est vrai qu'en fait. Bah, ça aide des... vachement parce que c'est vrai que tu vois. C'est la nouvelle monde... serviette en papier du, du resto. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que c'est moins organique. Là, c'est des trucs complètement. Alors, des délires comme ça, par exemple. Ouais, c'est des, euh, des trucs quand j'écoute un, un mix, par exemple. Tu vois, là, il y a marqué Voix Up, Home, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Rivalité. Euh... Ah oui, non, non, c'était pour l'étalonnage du film. Du film qui sort, film qui sort Donc, le a, 7 je... décembre au cinéma, c'est ça Exactement. Le exactement. concert. C'est ça, le concert de Bercy. Tu vois, tâche et euh, Image compressée parce qu'en fait je me demandais si l'image était carrément un oui, peu, euh, peu pourrie mais je me demandais si ça venait de là tu vois euh, etc etc enfin bon, bref c'est à dire qu'on on on peut aller au cinéma voir ton concert ouais. voir ta euh, captation de concert c'est ça on a, on a, on a filmé euh, Bercy sur les trois soirs on a surtout essentiellement gardé le samedi soir le dernier euh, et c'est euh, et donc c'est un travail assez dément d'ailleurs un peu euh, un peu violent parce qu'il faut se regarder euh, chanter euh, parce que, tu vois entre le spectacle vivant et le revoir après c'est un peu ouais. tu dis oh, pourquoi ça pourquoi se vivre ça nous on se dit pas ça ah ouais bah, nous quand on te regarde euh, a ah ouais. que toi qui est, qui est pas je... bien de te voir ouais. en live. Euh... surtout je m'entends crier tout le temps tu sais parce que je suis ouais. surexcité sur... enfin tu vois tu le connais hein. et, euh, et souvent je me dis mais arrête de crier ça, <laughs> ça me rend fou, ça me rend fou. Bon. bref donc c'est pas toujours très agréable ah, mais est en tout cas trop cool du coup ça sera dans des cinémas donc on pourra avoir l'ambiance de ah, mais surtout qu'en plus ensemble, un, vrai, quoi. un vrai délire parce que c est, c est ça va être vraiment mixé en atmos tu sais même en plus que ça ah. tu vois donc on a on restitue vraiment il y a je sais pas combien genre 30 micros dans la salle pour restituer l'ambiance du il y aura des, des musiciens sur scène et puis toi en fait c'est <laughs> juste un concert ça sera un concert c'est super bien fait bon il y aura ouais. pas d'image en fait on va mais tout refaire en live ça <laughs> devient tendance parce que je, je crois que Aurel pareil a sorti son oui c'est ça bah, c'est le même principe et oui, c'est formidable de faire ça parce que justement c'est une autre les gens qui n'ont pas pu voir le concert peuvent se déplacer au cinéma et kiffer. quoi, et, et, et quoi ouais. et qu et puis faut... ceux qui ont, qui ont vécu un, un, un moment intense tu vois et qui ont envie de revivre ça autrement ou de le faire partager à quelqu'un parce que c'est je crois que c'est c'est je pense que c'est jamais pareil mais je crois sincèrement son je sais pas pour le vendre du tout mais que c'est le meilleur film que j'ai fait de de concert quoi il est Vraiment, tu vois, quand je sais pas, ça, ça marche, ça prend quoi, ça ça pourrait être très ennuyeux de revoir un concert, tu vois, en plus ça dure un peu longtemps, ça dure plus de deux heures, et euh, je crois que j'ai l'impression qu'on s'ennuie pas. Est-ce qu'il y a un. Comment, c'est comment... une question que je te pose vraiment d'artiste à artiste, ouais. comment tu fais pour être autant dans le plaisir sur scène, dans le lâcher prise sur scène, mais dans toute cette précision Parce que quand on voit ton spectacle, c'est extrêmement précis. C'est, il y a des moments où tu dis, ok, là maintenant, Mathieu part dans le, pas dans, le, dans le public, et maintenant il va courir, mmh, il va jouer avec mmh. les gens et tout. Ouais. Mais quand on voit ton show, tout est extrêmement précis. Il y a limite un côté euh, vraiment sur précis même. C'est vraiment ouais. clac. Ouais. Tu arrives à osciller entre ces, ces deux personnalités totalement différentes visiblement. Donc il y, a un, il y a un, Mathieu avant et un Mathieu pendant. Je crois que c'est, je crois que j'associe les deux. C'est-à-dire, j'associe la maîtrise et le lâcher prise. Je pense que c'est, c'est plus tu maîtrises quelque chose et plus tu peux lâcher. Donc, bizarrement, c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. C'est quand j'ai bien digéré, bien bien projeté les choses que je peux complètement euh, faire, compl d'ailleurs, faire autre chose que ce qui était prévu. Mais ça m'a permis de, de me centrer, en fait. Et à partir de là, je peux partir dans tous les sens. Mais pour mmh. partir dans tous les sens, il faut être très centré. Donc, il faut beaucoup travailler en amont. Ouais, ouais, oh, non, c'est sûr que c'est du travail, mais c'est le gigantisme du détail. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'aperçois que le détail c'est l'essentiel est, est et dans le détail. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un truc un peu lambda et, et entre guillemets un chef-d'œuvre. C'est tout, c'est que cool, le petit détail qui, qui fait la différence. Mais et et je crois que je suis devenu amoureux du détail. cest à que c'est fascinant de voir qu'effectivement, quand tu enlèves trois secondes à, à la fin d'une chanson et que tu enchaînes sur celle d'après, l'émotion et la tension est, est incomparable. Avec ces, ce petit ventre mou qui fait que ça, ça fait descendre. Donc, il faut mettre en accord les techniciens, la lumière, euh, les musiciens, la répétition de la transition, il mmh. faut tout mettre en place. C'est un vrai ouais, travail. Et plus que les mettre en accord, il faut les investir pour qu'ils se. les responsabiliser, ou je ne sais pas comment dire, en fait, les, les, les en... qui rentrent en fait dans, ta, dans cette logique-là et qu'ils soient aussi convaincus que toi que cette chose-là est extrêmement essentielle. Et donc, ça, ça crée une tension générale d'équipe qui fait que tout le monde est convaincu qu'en fait, cette petite, ce petit détail-là va tout changer. Et donc, tout le monde s'investit d'une manière incroyable. Et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'au bout de 50 dates, les gens sont de plus en plus investis. Parce qu'on pourrait se dire, bon, moi, à un moment, ça va, on va relâcher un peu. Mais j'ai l'impression que non. Et j'ai vraiment le sentiment que le spectacle est de mieux en mieux à ch chaque date. C'est, c'est comme un jeu vidéo, tu sais, où tu passes un, au, au niveau d'après. Il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que quand je vois les Folies Bergères et que je vois même le théâtre antique d'Orange, bah, je pense qu'on a vraiment explosé le truc à chaque fois et c'est, c'est toujours mieux, quoi. Et tu fais des petites notes après les concerts, tu t'essaies tu de, ah de oui, dire, oui, là, on peut améliorer, comme enfin, bon, c'est la même même comme nous. quoi ouais, c'est Ouais, cette vanne, plus de rythme, là, on va couper là, on avance ah, là, clac, clac, pour ah, oui. rendre au public c'est vraiment, un tu sais, c'est l'école Prince, hein. il faisait ça. Il, je crois que presque chaque concert de sa vie, quand il était possible de les filmer, il les regardait le soir même, il se couchait à 6h du mat. Il avait une assistante qui, qui prenait toutes les notes. Et, euh, et le lendemain, il redébriefait, tu vois. Alors, j'ai essayé de prendre cette euh, logique-là. Je n'ai peut-être pas fait ça sur tous les concerts, mais quand même. En tout cas, je, je remets toujours en question le spectacle en me disant là, il y a, on, a, on, perd, on perd un truc, là, on s'ennuie, là, je ne sais pas quoi, enfin, tu vois. Et, et, sur, et surtout, un, tous les points de vue, c'est ça qui est génial, c'est que c'est autant le point de vue de, de quelqu'un qui me suit depuis 20 ans qu'un qu qu enfant de 4 ans qui ne va pas tout comprendre, mais qui va vibrer euh, à la musique, aux, aux couleurs, au look et tout ça. Et ce qui est troublant, c'est que d'ailleurs, depuis quelques années, le public s'est extrêmement rajeuni. Ça, c'est assez dément. Là, on est vraiment... De... Beaucoup d'enfants viennent à mes concerts de plus en plus. Et il y a un petit effet euh, tintin, quoi, de 7 à 77 ans. Il y a vraiment ce truc très familial qui, est, euh, qui est très palpable. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans, par exemple, où c'était plus ma génération. Tu vois, là, il y a ça c'est extrêmement ouvert et ça j'aime bien ils ont eu des enfants les, les gens qui te oui, suivent ont eu ça, des ça. enfants ah, puis y a, y a ce morceau la scène oui, ça. qui qui euh, qui est un hit euh, en plus pour les enfants en plus c'est ça qui est, qui, oui, qui, oui, oui. qui aujourd'hui encore ouais. j'ai vu enfin j'ai vu les concerts le, ils ont ils ont entre 6 et 12 ans ils montent sur scène avec toi ils dansent avec toi ils chantent avec toi tu les fais chanter ouais. C est, c est, pour eux c'est un moment exceptionnel. Oui, ouais, ça c'est génial. Tu euh... t'attendais à voir quand tu as fait ce morceau qui était une BO d'un film, mm -hmm. de, le, de le continuer derrière pendant quasiment non, 20 ans. Quoi. Non. non, mais par contre, je savais que j'avais quand même pensé, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais oui. c'était l'idée quand même de la chanson La rengaine populaire dans le film hein, déjà, c'était un peu la, la chanson de, de Lucille dans son cabaret, qui était son, tu vois, donc j'avais quand même pensé projeter le côté, tu sais. Euh, le succès de l'époque je sais pas quoi dans, à ma façon quoi mais donc je et c'est vrai quand j'ai fait ce, ce, ce morceau j'avais j'avais le sentiment d'avoir fait une chanson populaire ce qui est complètement une vue de l'esprit mais je l'avais quand même perçu et ressenti tout à l'heure tu utilisais le mot maîtrise ouais. je veux savoir si savoir c'était d'accord avec moi parce que j'avais ouais. une réflexion récemment et comme tu as dit ce que c'était un peu la question de Kian, est-ce que, est que je me faisais la réflexion je me disais il y a un il y a une subtilité et j'ai l'impression, je vais essayer d'être clair dans ce que je veux dire, <laughs> que quand tu cherches le contrôle, tu es malheureux. Ouais. Et quand tu cherches la maîtrise, c'est là que tu es heureux. Ouais, et J'avais l'impression que c'est un peu ce que tu répondais à, à Kian. Est-ce que tu, tu vois une différence ah, mais complètement. entre vouloir le contrôle et la maîtrise Ah mais Complètement, c'est complètement différent. C'est comme d'ailleurs euh, cette phrase que j'adore qui va dans le même sens. C'est genre euh, la, la perfection naît de la peur, l'excellence naît du cœur. Ouais. C'est-à-dire que je mets la maîtrise dans l'excellence et la ouais. perfection dans le contrôle. C'est-à-dire que contrôle, perfection, il y a quelque chose d'un peu, un peu. Tu tiens les gens. Ouais, et puis t'es puis pas bien, quoi. Je veux dire, t es, t es tendu, c'est le contrôle, quoi. Tu vois C'est le mental, c'est la peur, c'est tout ça. Alors que la maîtrise, l'excellence, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est quelque chose de plus apaisé, tu vois. Et c'est souvent quand tu lâches prise que tu peux. On le voit bien, regarde dans, dans les grands sportifs, les, je sais pas, un danseur, c'est jamais en force, c'est jamais tendu, c'est la grâce de tout ça qui, qui nous touche. Comme un grand acteur, qui, on sent bien qu'il est, qu est émancipé du regard extérieur. Je sais pas, même si c'est peut-être pas le cas, mais ça, il paraît complètement émancipé du regard extérieur en lâcher prise totale. Tous les grands, 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 grands ça. sportifs qui flottent. C'est ça. Oui, puis en plus, dans, dans l'aspect vivant de ce que doit être un live, puisque c'est son nom, ouais, euh, j'ai l'impression quand on voit commenter sur scène, etc., que c'était pas dans le contrôle et que s'il y en a un qui glisse, juste tu vas l'engueuler après le spectacle et tout, <laughs> tout, tout, tu vois, après le show et tout s'est effondré. C'est ouais. genre, tu es tellement en maîtrise que tu sauras gérer euh, ça. Euh, quelque chose de pas prévu ou quelque ouais. chose qui dure un peu plus longtemps, même quelque dire... chose qu'il faut reprendre. On va se dire, ah, quelle maîtrise en fait. Et c'est même, je vais te dire pire que ça, quand l'erreur est... est... Et attendu avec excitation. parce que <laughs> Bah oui, parce qu'en fait, tu sais que ça sera un plus. Tu es ouais. convaincu que chaque erreur sera un plus pour le spectateur. Il y a même une, une panne. C'est une belle vision de la vie, ça. De... Ah parce que l'erreur. Ça peut servir ouais. à tout le monde qui nous regarde, qui, qui entreprennent des choses, qui ont envie de réaliser des idées. L'erreur est ah bah Si oui. tu maîtrises du mieux que tu Si tu maîtrises, t'as pas peur de l'erreur, puisque tu vas maîtriser. Ouais. Mais si tu contrôles, tu as peur de l'erreur, puisque oui, tu ça, contrôles plus. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai que le, c'est fascinant. Là, je sais pas, j'ai vécu des pannes de courant où tout d'un coup, tu te tu dis, bon, bah, il y a plus personne. Ça marche plus, quoi. Enfin, en plus, tu fais moins le malin quand tout d'un coup, tu as la guitare, à écrite. tout s'arrête et puis en fait, il se passe rien. Es... Non, c'est génial parce que ça te remet vraiment à ta place. Et là, tu prends ta guitare sèche et tu vas au milieu des gens et tu chantes une chanson et, et c'est le meilleur concert de leur vie. Tu vois, donc ouais. tout d'un coup, d'un truc relou, ça devient magis, magistral, même. Non, et tout est comme ça. Tu vois, quelqu'un, je ne sais pas, qui fait. Ou une, je sais pas, une intro qui ne marche pas, on arrête. Enfin, on fait... ah non, non, ça c'est poireux, on la refait. Les gens, ils adorent ça parce que c'est organique, c'est vivant. C'est le live, comme tu dis. Ouais. Le... Donc, c'est. Non, non. Et, et, euh, et je pense même, j'avais lu ça, en fait, ça m'avait fasciné euh, dans des écrits taoïstes. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils tao, d'ailleurs, mais parce que j'ai toujours été très inspiré par ces trucs-là. C'est parle... quoi taoïste Pardon, Oui, que... alors le, ta... le tao. C'est une philosophie euh, chinoise ancestrale, tu vois. Et c'est euh, donc des, des petites poésies comme ça de, de vie, quoi, qui te, que je vous invite à lire le Tao Talking, qui est un livre vraiment ancestral. Et donc, c'est vraiment euh, des, des choses qui m'ont. Tu vois, j'ai appris. Déjà, j ai, j ai, je me suis perfectionné souvent à la guitare plutôt avec des écrits philosophiques qu'avec des, des gammes, quoi. Euh, J'en ai une, par exemple, qui m'a vachement marqué. C'était genre, percevez le minuscule. Voilà la clairvoyance. C'est un peu ce qu'on se disait sur, sur le, le détail. détail. Garder la douceur, voilà l'énergie. Ce qui va très bien à Nabo. Euh... Quelle <laughs> énergie C'est Ça que t'es doux. Quelle énergie Tu un sur de l'énergie. Voilà, une phrase qui m'a vachement inspiré dans le jeu de la guitare. Parce que c'est vrai que quand tu joues en force ça écrase le son. Mais un truc par rapport à ces sortes de maîtrise, c'est ils prennent l'exemple du vélo. Et ce que j'adore, ce truc qui m'a marqué, c'est quand on... C'est quand on maîtrise vraiment quelque chose qu'on l'oublie. Et c'est au moment où l on, on l'oublie qu'on le maîtrise. Et donc c'est euh... et le vélo, c'est le bon exemple, c'est quand tu as oublié de savoir que tu fais du vélo que tu sais que tu, que tu, que tu sais en faire. Et c'est pareil avec la guitare, c'est quand tu as oublié de jouer que tu sais jouer vraiment, c'est quand tu oublies. Et je, je crois beaucoup à ça, que c'est dans l'oubli en fait qu'on maîtrise les choses. C'est là, mais l'oubli demande beaucoup de répétition. C'est ça, c'est ça. Beaucoup de tu ah, passé ça. énormément de temps chez toi à, à bosser euh... Ouais, beaucoup. En, ah tout beau cas, en tout cas, adolescent et tout, je passais ma vie à reprendre des solos de guitare, des, des riffs, des machins, tu vois. Je... À l'époque où il y avait encore des vidéos, tu sais, où tu avais des vidéos d'Hendrix. Gui... Bah, tu avais les, les guitar parts de Jean-Luc Rubillard. Oui, évidemment. <rire> évidemment. <rire> tu te rappelles de ça ah ou oui, pas oui, oui. Les Guitareparts. Ah oui, oui. Ça, c'est vraiment une dédicace aux gens qui ont grandi dans les années 90, qui ont qu on travaillé la guitare dans les années 90. Évidemment, évidemment. Est-ce que c'est toi qui disais que tu euh, isolais à l'époque où la stéréo était mal euh, maîtrisée sur des disques un peu des Beatles, etc. Où ouais. vous allez foutre ah, oui. une, une guitare complètement à gauche est et tu t'étais rendu compte qu'en mettant que la gauche, tu avais que la guitare et tu pouvais écouter. Euh... Ah, ça, c'est génial parce que c'est l'époque du 4 pistes. Les Beatles, au départ, c'était en mono. donc Après, il y a eu la stéréo juste de pistes après, quatre pistes et tout ça. Et ils avaient ce truc génial qui est fascinant. Une piste, c'est une voix. Alors on enregistre oui, la ça. voix ici, après on enregistre la batterie, c'est une deuxième piste. La troisième ça. piste, c'est la guitare et la quatrième, c'est la basse, par exemple. Exact. Mais puisqu'à l'époque, il y avait donc moins de pistes, ils devaient faire des prémixes. Donc ils mettaient ba batterie, tambourin, basse sur une piste et, par exemple, violon, euh, guitare, voix sur la deuxième. Et donc, effectivement, ce qui fait que c'était deux stéréos avec des instruments différents, mais vraiment complètement dissociés. Et donc, si tu ne mets qu'une enceinte, tu pouvais entendre bien le tambourin, la batterie et la basse parce que tu n'as que ces pistes là pi Il y a ce, rarement ouais. un instrument, mais c'est un groupe d'instruments. Ou alors, tu mets l'autre côté et tu n'as que les chœurs tout d'un coup. Et tu entends les harmonies vachement bien. Donc, c'était génial. Parce que tu avais fait une espèce de leçon interactive. Je crois que je t'avais entendu parler de ça à cette époque-là. Ouais. Oui, c'est sûr. Tu t'es parce que tu faisais une... Tu avais proposé toi-même... Oui, des leçons de... Des mille... leçons oui, de ça. guitare. c'est ça. De musique en général ou de guitare je me un peu. Non, de musique, effectivement. C'est Puisque j'ai le côté un peu multi-instrumentiste et que je sur, sur mes disques, je joue souvent pas mal d'instruments. Avec ma soeur Émilie, on avait décidé de faire un DVD de leçons de guitare hyper interactif, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque et qui faisait qu'on avait les petites partitions qui passaient en direct en même temps. Et moi qui passais d'un instrument à l'autre avec l'écran coupé en plus. Tu sais, à l'époque, tu pouvais passer de d'un écran à un autre, d'avoir plusieurs à la fois, isoler ouais. les sons. C'était assez révolutionnaire. C'était des options du DVD que personne n'utilisait jamais. C'est ça. Le multi-angle et le multipiste du Exactement. C'est ça. Ouais. Ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant, on est complètement bombardé, mais de manière positive, de tutos. Tu vois, n'importe quelle chanson, tu dis tiens, il y a le tuto de cette chanson. Ouais, c'est quand même une, ch une chance. C'est fou. Pour mais à l'époque, ça n'existait pas tout ouais, ça. Et c'est là que tu vois d'ailleurs, c'est intéressant, que les musiciens talentueux de la jeune génération, d'ailleurs... Là, j'ai vu récemment le concert d'Ibrahim Mahalouf avec des jeunes de 25 ans qui jouaient comme des dieux. Euh, ils digèrent, ils ont, ils ont une vision très très 360 de la musique parce que ces tutos, ces trucs, je ne sais pas si ça ouais. vient de là. Ils ont pu s'intéresser à un peu tout quitte à choisir ce qu'ils aiment, mais ils ont pu se renseigner sur Alors tout. Quoi. Quoi. Et, et, et ça s'entend. Sur les mecs qui bossent vraiment, c'est très très différent de, des, des gens de 25 ans de mon époque. C'est assez impressionnant. Oui, d'ailleurs, on le voit même dans le stand-up, les jeunes sont de plus en plus forts. Techniquement, on le voit même marrant. dans la danse hip-hop. La danse hip-hop, aujourd'hui, avant la base, enfin, avant le maximum, c'était de, de, de faire ce qu'on appelle une vrille, c'est-à-dire sauter en l'air, ouais, se retourner. Ouais. Eux, bah, bah, la vrille, c'est devenu un standard. Et quand tu commences la danse, euh, au bout de trois ans, tu as la vrille. Quoi, ouais. tu vois et en fait, les... tout a monté. J'ai l'impression que c'est comme le tennis aussi. C'est devenu beaucoup plus intense, c'est mmh. plus fort. tu vois. Ouais, c'est comme l'arrivée des making-of pour les réalisateurs. Ouais. Tu vois Notre génération, on est les premiers à avoir eu des making-of. C'est ça. Euh, où oui. tu avais euh, une heure de David Fincher qui explique comment il a fait Free Club. C'est pas ouais, mal, quand même. C'est j'avoue, c'est fou. Ça. Seven, moi, je, ça, je regardais le truc de Seven. J'ai découvert ce que c'était l'étalonnage dans les bonus du DVD de Seven. Il y a un truc qui me séduit aussi, je pense que c'est aussi le, le fait que tu collabores avec Émilie, et c'est toujours d'être un peu à l'avant-garde de quelque chose, d'une technologie ou d'une envie. C'est-à-dire, tu fais toujours un truc qui n'a pas été fait. J'ai l'impression que tu as, as toujours un truc, par exemple, qui... Euh, qu il y avait toujours un un truc un peu sympa dans ton il y avait un truc caché dans ton album il y avait un, ouais, il, y avait ouais, un ouais. il y avait un livre avec euh, des, 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 des il y avait un strip ouais, je oui, me oui. rappelle il y avait des petits ouais, trucs oui, comme vrai, ça pareil le vrai. le multiangle pour enfin comme le, le toutes les toutes les, les le multipistes pour des leçons le multipiste de pour les leçons euh, mmh, mmh. dans un DVD dans plein de choses c'est quelque chose qui te tient à cœur alors oui. est-ce que est-ce que on va te voir sur TikTok à un moment donné parce que TikTok c'est quand même oui, maintenant oui, le, le nouveau ça. bastion la, la nouvelle j'ai failli mettre un... j'ai mis un petit doigt de pied dedans à un moment ouais il y a ce côté où je suis un je, bah, tu sais, c'est quand même, quand tu mets le doigt dedans et que tu et que es d'une autre génération, c'est vraiment euh, assez agressif, quoi, parce que tu fais waouh, le flow du truc, c'est. Wow. <laughs> je sais pas, ça m'a fait un peu euh, froid dans le dos. D'un autre côté, c'est très excitant aussi, parce que c'est un outil euh, très ludique. Fin... Et en même temps, je, je suis un peu sur les Instagram, les trucs comme ça, tu vois, mais. mais t'es es bien sur Instagram, oui, d'ailleurs, oui, oui. t'es une vraie. Ouais, vraie euh, c'est sûr que j'adore. Et puis, c'est assez ludique, c'est marrant. Et en même temps, très très addictif à la fois, hein. c'est vrai que c'est quand même troublant, Il faut donc je suis un peu méfiant et en même temps attiré, tu sais je suis un mm -hmm. peu dans en, l'entre-deux en mais ce qui est sûr pour revenir sur ce truc de d'innovation si on peut dire c'est peut-être pas le mot mais de, de toujours essayer de, de chercher, d'expérimenter je crois que c'est philo ma philosophie, c'est la philosophie de M, en tout cas c'est ce qui m'inspire tu vois je me rappelle très bien que quand j'ai fait mon premier album j'étais je me disais mais c'est génial en fait. et d'ailleurs ça s'entend vachement sur, sur le baptême, le premier disque c'est que mais, mais en fait, c'est mon disque. Donc... Parce qu'il faut savoir que j'étais guitariste, musicien pour plein d'autres gens. Donc, tu es quand même au service des autres, tu essaies de, de bien être à l'écoute, de faire ce qu'il faut. Mais donc, tu as, pas une, li... as une, liber... une certaine liberté arti... musicale, mais pas plus. Et là, tu disais, mais c'est génial. C'est-à-dire que là, c'est mon disque. C'est-à-dire que si je veux, je peux arrêter la chanson au milieu, faire comme ça et reprendre. Enfin, tu... Et, et j'ai fait plein de choses comme ça où je me disais, mais bah alors, qu'est-ce qu'on a jamais fait sur une chanson bah, Tiens, de faire... Du casou Ouais, par exemple. Alors, ça peut être des instruments, mais ça peut être même dans des structures de dire, bah tiens, là, tout d'un coup, je vais, je vais, f... et je sais que j'avais, j'avais ce, ce truc très grisant de me dire, bah tiens, je vais faire des trucs qui, qu'on n'a pas le droit de faire généralement dans une chanson. Ça, ça. Et donc, c'est, gars, c'est resté. Et donc, c'est, ça, c'est, que ce soit dans, dans, sur un concert, un concept, un visuel, un, un clip ou je sais pas quoi. C'est pas forcément pour, euh pour dire c'est moi qui l'ai fait ou ça s'est jamais fait avant, c'est juste le côté pionnier, un peu Ouais et puis liberté de se dire tiens ça on le fait pas, on va le faire alors c'est génial tu vois c'est ce truc de dire là j'ai l'autorisation de le faire donc tout est possible j'ai l'impression que vous avez un peu ça en commun, c'est que ça part pas vraiment de bon, c'est quoi le truc foufou qu'on va trouver pour que les gens en parlent c'est quoi les jeunes c'est plus dans une forme de liberté, une remise en question de dire qu'est-ce qui nous empêche je pensais à un truc, mais qu'est-ce qui nous empêche Pourquoi on le fait pas Pourquoi on pourrait pas Oui, c'est ça, c'est ça, ça. Et en fait, là, il y a, euh, en tout cas, moi, de, les quelques fois où je t'ai vu euh, travailler et les nombreuses fois où je t'ai vu travailler, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire mmh. qu'en face de toi, tu retrouves quelqu'un qui t'explique pourquoi on le fait pas. Tu dis, mais si on faisait comme si, non. Et si on faisait comme ça, mais du coup, si on fait, on peut y réfléchir. On en reparle demain. Et on dit, hé, hey, j'ai repensé à ton truc là. Mmh. En fait, on pourrait le faire, mais comme si et comme ça. Et en fait, c'est une espèce de remise en question d'un statu quo où en fait on, on se demande même pas pourquoi on le fait pas tu vois ouais. un peu comme euh, tu vois de Mais pourquoi on je me rappelle le... par exemple quand on a fait euh, pulsion le spectacle qui mmh. était venu d'ailleurs ouais, euh, faire un... j'adore ça Bah pareil on, on voulait faire un j'avais fait un numéro avec un écran je sais pas dé... avec bien. un écran bien. et à un moment donné on, on arrive à l'européen on fait descendre l'écran on dit bah voilà ça sera pour l'écran on, on fait les marques et tout mmh. je me dis on l'a déjà fait c'est basique c'est oui. même si c'est excitant ouais, ouais. même s'il y a plein de choses à faire je trouve ça euh, basique je, je, je suis au fond de moi je ressens un truc un peu genre mais bah. oui. après on dit il y a cette idée qui peut on va faire un t-shirt et on va tout génial. faire sur le t-shirt c'est génial et du coup je vais pas bouger c'est passé par des euh, mais dans le clip de je crois que c'était Justice ah, oui, oui ils oui, avaient oui, un oui, t-shirt oui, le oui, ils oui, font oui, dans oui, leur clip pourquoi on le fait pas sur scène ah mais parce que sur scène il faudrait que la caméra elle puisse te suivre en temps réel ah oui, c'était que des allers-retours mmh. de ça mais ben attends mais si on bouge pas du coup ah oui, oui, oui. si on bouge pas je deviens juste un écran si j'ai un t-shirt blanc c sublime, donc on peut faire un peu comme non. dans comme dans le clip de, de Justice mmh. mais sur scène là ce serait possible sans que il y ait besoin de caméra ultra sophistiquées, euh, pour, encore plus pour l'époque enfin euh, de projecteurs ultra sophistiqués qui ouais, vont ouais. te détecter dessus et puis ça raconte et puis en plus c'est ça qui est bien c'est que parfois on se rend même pas compte mais ça raconte beaucoup de tu vois que ça se passe au niveau du ventre et tout. Enfin, je sais pas, c'est ça. Ah mais en plus, ouais. c'était vraiment un ressenti. De... C'est ça. Oh, ça m'amuse pas. Ouais. De faire ouais. un truc sur un écran. Alors que c'est génial, donc, tu peux tout faire. Tu peux tu peux, tu peux oui. peux transporter les gens avec un écran. Mais ouais, ça ça m'excitait pas. Ouais. C'était genre... Ouais. Non. Et ça, c'est... en fait, c'est aussi les contraintes, tu sais. Ce truc de contrainte, de dire, ben ça, on... de s'interdire certaines choses. Et souvent, on est extrêmement créatif. C'est comme les fameuses erreurs. Quand tout coup, ben, tu n'as plus d'électricité, ben tu vas inventer autre chose. Ou quand tu as... Euh, je, crois, je crois que c'est hyper important ça, je crois beaucoup à ça de, de se mettre des contraintes c'est comme quand on fait un album souvent on se dit bah tiens on va, on va utiliser ce genre d'instrument ou on va enregistrer d'une certaine manière on se fait des règles du jeu et elles, elles sont hyper créatives parce que c'est vrai que c'est le danger de, de la technologie ouais. euh, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui tout faire tout, tout, bah, tout trafiquer d'ailleurs on peut tous chanter très très bien sur un, sur un disque hein, je veux dire maintenant avec... d'ailleurs ce qui est génial c'est qu'on arrive quand même dans un c'est là qu'on voit le délire humain c'est qu'on arrive à une époque où il faut chanter mal pour que ça fasse bien faire l'autotune, tu sais. Ouais, mais Donc... justement, c'est là que j'allais te rejoindre, là, je pense. Parce qu'au qu bout d'un moment, tu te retrouves, euh, pour peu que tu sois curieux, et toi, tu as quand même un truc où tu as vraiment très envie de faire des choses, euh, comment dire, très euh, visuellement impactantes sur scène, mmh. etc., mmh. tu peux vite te retrouver. Avec une agence et enfin, quatre agences, cinq créatifs qui te disent Alors, oui. on peut faire trois robots, onze nuages, tu te transformes, <laughs> tu te téléportes, et au bout d'un moment, tu peux perdre le. Mais pourquoi, au en fait euh... oui. <laughs> C'est quoi le rapport avec le morceau Parce que le morceau, ça, ça parle pas ça. de ça, ça ni rien. Et d'essayer de ramener à. J'ai l'impression qu'il faut quand même que ce soit toujours au service du propos. Oui, Moi, je vois bien. des fois, on se fait attraper par un truc, on dit Waouh, ça, c'est vraiment impressionnant. Mais il faut être en capacité de dire Oui, c'est impressionnant, mais ça n'a aucun lien avec le propos. C'est ça. Tu vois, en, par exemple, CAPTA de stand-up. Souvent, il y a trop de changements de plans, de mmh. caméras, de grues, ah oui, de machin oui. et tu dis "Non non non non, en fait, oublie pas là, c'est une blague et la blague elle est marrante donc le gars tu vas faire ça", ça tu écoutes la ça. blague. Et du coup, est-ce que toi tu arrives à gérer ce truc là, ce oui. truc de attends, là je suis peut-être en train de mettre du sucre sur du miel sur mmh. du sucre mmh. sur du miel, c'est hyper beau ce qui se passe sur scène, oui. mais on voit même plus, il y a même plus la vraiment la musique, les gens sont en train de regarder un show euh... ouais, mais alors, c'est pour ça que c'est important et d'une part d'avoir euh d'être hyper connecté à son instinct d'avoir aussi des gens de confiance je pense à Ossine qui est mon grand ami qui est toujours avec qui me suit depuis euh, 15 ans sur scène depuis la tournée de Vanessa Paradis et qui est souvent dans la salle et qui est mon regard extérieur et souvent je lui dis mais la qu'est-ce que t'en penses là? parce qu'il a une vraie, un vrai feeling quoi. Il, il sent vraiment les choses et sans être du tout un professionnel de la profession ça que j'aime bien c'est qu'il est dans quelque chose de beaucoup plus euh, presque spirituel quoi et en même temps, je pense à Jérémy Lippmann, qui est vraiment metteur mmh, en scène, qui m'a aussi donné un, un vrai recul, qui me disait là c'est super, mais je trouve que là tu devrais enchaîner plus vite ou cette chanson je ne sais pas si elle a vraiment beaucoup de sens ou là peut-être il y a trop de déco. Enfin bref, donc ça j'ai besoin quand même de ce, tu vois, comme vous deux j'imagine que c'est hyper important. On est seul on ne peut pas avancer, on peut pas, on peut avancer mais pas aller très loin. Je crois beaucoup au collectif aussi et, euh, et en même temps euh, aussi au côté très artisanal. C'est-à-dire que c'est comme ça me rappelle des, des gens qui me disaient à l'époque c'est super hein, M et puis t'as un, un super marketing hein. c est, c est, tu vois tu fais marketing bah, je sais pas ton image là, le marketing et tout fais... ouais enfin c'est juste que j'ai des idées visuelles quoi, mais tu vois et qu'elles gens... viennent de toi voilà enfin, qu Parce que de les gens pensent toujours que c'est quelque chose de mais c'est vrai que c'est un super marketing mais dans le sens où le marketing oui, qui existe dans ouais. ton métier est au service de toi au départ Mais bah, complètement et je pense dit... que souvent quand les gens disent ah Wow, « Waouh, là, c'est un super coup marketing, c'est vraiment du marketing, ça, ça c'est du bon marketing, 99% du temps. » Tu te rends compte que c'est un marketing où des gens sont très efficaces, très bons dans leur métier, ça. mais ils sont au service ouais. de l'idée de départ, ils ne vont Et pas tomber voilà, quelque voilà. part, parce que c'est le truc marketing du moment. Et je pense que d'ailleurs, les plus grands artistes qui nous ont marqués, parce que là, j'étais donc au Musée Grévin hier, c'est con, mais j'étais à côté de... Michael Jackson, Elvis, Elton John, et, et souvent certains, c'est les fringues qu'on leur a, tu vois, de, vraiment des, des artistes et tout. Donc, bon, alors, il y en qui sont plus ou moins bien faits, mais en tout cas, t'es quand même dans, dans l'énergie, l'univers de chaque artiste. Et je suis sûr que tous ces gens marquants, ils avaient, ça venait d'eux à 100%. C'est pas genre quelqu'un qui dit, tu mets cette veste et tu. Et c'est donc, c'est vrai que le voilà j'ai plus tendance à parler de l'image et de, tu vois du côté iconique que du marketing qui me fait toujours un peu froid dans le dos parce que ça veut dire que c'est un peu mercantile c'est toujours assez délicat aussi ce truc tu sais où le show business c'est à dire quoi du business quoi c'est à dire que c'est un truc d'argent de alors qu'à l'époque il euh, y, en... y avait pas les disques encore il y avait pas tout ça il y avait je, 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 je vois la, la musique je la vois quand même comme, comme quelque chose de plus sacré que ça quoi tu vois je trouve que dès le moment où faire de la musique en disant mais c'est pour gagner de l'argent pour tu vois tu dis ouf. Là, on est déjà dans une déviance assez forte. J'ai cette chance incroyable d'être né dans un milieu artistique où j'avais pas du tout la motivation. Moi, ma, motiva... ma seule motivation était d'essayer de faire des chansons, d'inventer un univers. Mais j'ai jamais eu l'optique de me dire, tiens, je vais me faire plein d'argent là-dessus. Enfin, Dès le moment où j'entends des gens qui viennent me parler comme ça, ça me fait toujours froid dans le dos. Quoi. Je... je pense qu'on ne parle pas le même langage. Et pour le marketing, il y a un truc aussi, c'est que il y a une... la dérive du marketing aujourd'hui, c'est que. Le marketing de la publicité s'inspire de marketing des artistes parce que le marketing des artistes c'est l'authenticité et ouais. la sincérité d'un artiste qui fait que ça une idée devient virale dans le sens où un artiste décide de par exemple je sais pas on n'a qu'à dire Nirvana par exemple Nirvana c'est extrêmement viral tu vois, ah, quand ouais. ça sort ça fait ah, un ouais. effet mondial tu vois donc as les vendeurs de ketchup qui disent mais euh, et si je faisais et il aime le ketchup, le <laughs> mora, à... tu vois, ils disent on va, on va connecter les deux trucs et on va prendre, tu vois. Bah c'est ça, oui. le, 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 ça, pour moi, le mauvais marketing, c'est devenu un. Alors que le marketing, à la base, c'est pas. Marketer quelque chose, c'est parce qu'il y a un produit à vendre, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est viraliser et une authenticité, C'est ce qui a, du... ce qu a tué d'ailleurs euh, Kurt Cobain, je pense, enfin, tu vois, de tout d'un coup devenir un produit. Oh. Non, je crois que c'est son suicide. Hein. Oui, je crois que ça a été connecté à son suicide, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que tu été connecté à son suicide. Je crois pas que c'est le marketing, je suis pas sûr. Peut-être me trompe. Non, c'est moi. c'est moi, j'ai fait une confusion. Oui, mais en fait, ça rejoint. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que tout d'un coup, on va te dire bah non, mais il faut faire du nirvana. Donc le mauvais marketing, c'est quelqu'un qui vient qui dit mais arrête avec ta folk, là, c'est nirvana maintenant. En fait, ceux qui tiennent longtemps dans ce qu'ils ont envie de faire comme ils ont envie de le faire, en vérité, c'est ceux qui au final vont tenir le plus longtemps. Je pense aussi à Yann Tiersen, que j'ai bien connu à l'époque, mmh. à ses débuts, parce qu'on avait le même manager tourné, enfin bref, et euh, qui est vraiment le gars le plus euh, authentique possible, tu vois, a un vrai, vrai fou de musique et tout, et euh, qui était souvent d'ailleurs assez, euh, euh, très touchant à la fois, mais très timide et donc un peu froid quand on le voyait. Je me rappelle, je croisais souvent dans des, on faisait souvent les mêmes genres de, de salles et tout, et euh, il était adorable, mais très, très timide. Et puis tout d'un coup, il fait la musique, par, par, j'allais dire presque par hasard, d'Amélie Poulain, tu vois, où c'est cool, quoi. Mais ils prennent, tu vois, ces morceaux euh, qu a, qui existent depuis longtemps déjà, hein, qui sont des, un truc très confidentiel de disques que personne ne connaît bien, mais tu vois, qui sont super beaux. Qui, qui, qui n'appartiennent absolument pas au courant d'un style en 2000, ça, ça. tu vois, personne oui, n'écoute oui, ce genre pas dans l'air du temps. Et puis, euh, Jean-Pierre Jeunet qui flash là-dessus et qui dit « bah tiens, ça colle vraiment bien au sujet ». Donc voilà, je me rappelle, c'est Charles Bensman, qui était le, mon tourneur-producteur, qui, qui, qui a fait le lien. C'est même lui qui a, qui a choisi avec le réalisateur les chansons de Yann et tout. Du coup, je découvre le. Les, les thèmes ou le thème principal d'Amélie Poulain, celui ouais. qu'on connaît le plus, n'a pas été écrit pas du pour tout. Amélie Poulain pas du par C'est des morceaux qu'il avait fait sur ses albums déjà. Pas et pas en fait, tout. le mec, il, après, a... Re... Ouais, il a choisi, je crois. Je, je, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est sur deux, deux albums à lui. Il a pris les chansons qu'il trouvait les plus jolies, tu vois. Okay. Après, peut-être qu'ils ont réarrangé, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est les versions originales de l'album, je crois. Hein, je veux pas. Mais et, et donc c'est dément. Et donc le mec, donne d'un coup, alors qu'il a rien demandé, il est content, quoi. Okay, super dans un film et donc. Mais tu vois, et le truc devient phénoménal, vraiment, c'est impressionnant, et, euh, et ça devient mondialement connu, tu vois, alors que le type, et, et je me rappelle qu'il vivait ça extrêmement mal, quoi. D'ailleurs, à tel point qu'il faisait des concerts, les tournées d'après, où il faisait même pas, évidemment, une chanson, de, une musique de ces trucs-là, ça oui, le rendait a... fou, il faisait vraiment. des trucs Rejet, super, quoi. même des trucs un peu dissonants, les gens, ils jouaient, de, enfin, j'exagère, mais il jouait de dos, enfin, tu vois, les gens étaient là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, il était dans un... Ça l'a angoissé terriblement. Ah, Mélly. Ah, Ah, ouais, écoutez ça. C'est ça. Ouais, je te jure. Ah, c'est marrant parce que en même temps, pour lui, c'était pas ses morceaux de, du moment. Si, non, mais c'est pas les trucs qui. Tu sais, est un avait... peu, on, est, on est toujours un peu contradictoire. On est, je crois qu'il devait être assez content quand même que toute sa, oui. sa musique soit oui. connue par plein de gens. Et en même temps, oui. agacé d'être que je... le mec d'Amélie Poulain. Bah, évidemment, évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est ça. C'est toujours très ambigu. Je propose un petit jeu. Ouais. Un jeu qui s'appelle le multi blind test. Ah, pfff, le tu aimes je, les blind tests ou pas Je suis assez mauvais en blind test. <laughs> alors, ça va être. Enfin, J'espère te mettre quand même à l'honneur. Mais euh, l'idée, c'est que le blind test euh, solo, bah, c'est trouver une chanson. Là, okay. il y a six chansons en même temps. Ah, Donc, c'est une cacophonie totale. Donc, c'est ce qu'on appelle une crise d'angoisse. <laughs> ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas Agatha Feeling des Black Eyed Peas Et il y a I got a Feeling. Tain, de... Toi, t'es bon, toi. Putain, vous êtes fou. Agatha Feeling, putain. C'est le gimmick. Il faut... En fait, il faut... faut que ton comment, cerveau. Ouais, y... Donne-moi une... Ouais, donne une issue, là, parce que. Il faut que ton euh... cerveau, en ouais. fait. Faut... Mais, mais comment C'est impossible. Si vous arrivez, <laughs> vous putain, <laughs> moi, je... Comme c'est moi qui l'ai fait, je n'ai jamais joué à ce jeu. <laughs> moi, je connais les morceaux. Il <laughs> faudrait que j'en mette un vieux et que j'essaye. Non, t'as jamais fait, quand même. T'as jamais essayé Le problème, c'est que je vois les mais C'est ça, bah oui, non, toi, c'est sûr. Là, attends, non, mais là... On ne sait pas, tu vois, si, si ouais, Julien le Père si il est très cultivé ou juste <laughs> il <a> s'affiche fiche. <laughs> Allez, on retourne. Putain, oh là, là 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 Ah oui oui, ça y est, j'en ai un, j'en ai un. Ah euh, oh putain, euh, je vais y arriver. C'est Damon, c'est Damon de Blur, je crois. Gorillaz. Ah non Gorillaz, Gorillaz. a Kintiswood Gorillaz. Oh. Ah y a pas un Bouba Il y a, il y a Bouba. Y a pas DKR de Bouba C'est Boulbi de Booba. Plus que trois. Ah. Ah oui. Ah oui, ok. Oui, y, a, y a... Balavoine, ouais. Il a sauvé l'amour de Balavoine. Il ouais. n'en reste plus que deux. Quand il n'en reste plus que deux, il faut trouver les deux avant de parler. Deux d'un coup. Est-ce que ça te plaît comme jeu C'est assez chiant. Ce qui est bien, c'est que ça devient plus clair. À la couleur ouais. <laughs> S2, normalement, ça peut aller vite. Il faut juste les connaître. Quoi. Okay. Okay. Oh. ok. 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 Ah merde Ok, ok, c'est bon, ok. T'as les deux Ok, ouais. Un ouais, euh, j'ai demandé à la lune, c'est ça ouais. Ah merde, et c'était pas Natacha Saint-Pierre C'est Natacha ah. Saint-Pierre. Ah, alors, tu trouveras la réponse à ce blind test. C'était ça la suite. C'est en fait. quoi le meilleur <laughs> conseil qu'on t'ait donné, Mathieu, dans la vie Ou un conseil qui t'avait vu un vrai... Euh... Oui, oui. Ah, écoute, il y en a un que j'ai adoré, de Charlie Couture. Vous connaissez Charlie Couture Il a dans la, dans la bio-Wikipédia, il est en bleu aussi. Euh... Ah super. Donc, je faisais ses premières parties. Et euh, il avait été très, 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 très motivant. Pour... Enfin, tu vois, je, voilà, il, il me découvrait et tout. Alors, déjà, non, la première fois, c'était drôle parce qu'il il, s'était fait une inquiétude pour moi. Parce que lui, Charlie Licouture, il me disait personne n'a vraiment se rappelé de mon prénom. Il me disait Charlie Lacouture et tout. Donc, fais attention pour l'identité artistique. aime les gens vont jamais se rappeler de toi. Donc, <laughs> donc, il faut absolument que tu trouves autre chose. Donc, à mon avis. Ou rappelle-toi, Mathieu, dit, il m'a mis un doute énorme, c'était à mes débuts, j'étais oh, putain merde. Et je me rappelle, je dormais plus de la nuit, je me disais qu'est-ce qu'il faut faire Donc je me disais peut-être que je ferai M sur le premier album, MA sur le deuxième, et, je, et petit à petit je ferai mon prénom. Moi, Bref, donc ça c'était un truc qui m'avait un peu fait flipper, mais, mais sinon il m'a dit un truc génial. Il m'a dit voilà, pour moi c'est très simple, un quand tu fais un premier album, c'est un point dans l'univers. Donc à partir de là, tu. Tout est ouvert. quoi. Tu, 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 tu donnes un message, mais tu peux encore avoir beaucoup de, de liberté. Quand tu fais un deuxième album, tu crées une ligne et une direction qui assez précise, qui donne un, un chemin du, du point A au, au point B. Mais attention, parce qu'à partir du troisième album, tu, tu, tu crées un, un espace, un triangle, et tu as un espace créatif. Et à partir de là, en général, tu pourras plus en sortir. Donc, plus les points seront éloignés, des uns aux autres, plus ton, ton terrain de jeu sera grand. C'est extrêmement intéressant. Hein. Et brouille les pistes un peu. Quoi. Plus tu brouilles les pistes du dès bah ouais, le début. Ouais, c'est intéressant parce que j'avais jamais pensé vrai. au fait que c'était un triangle. Qu'en fait, effectivement, tant que c'est une ligne, ça va. Mais oui. à partir d'un triangle, tu as triangulé un truc. Ça, ça. On sait que ton genre, il est là. Quoi. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. Ouais, c'est Et d'ailleurs, pensé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vachement... La trilogie, tu vois, je sais, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est un Parce que fait... mon premier s'appelait le baptême, le deuxième jeudi M, et le troisième kit de nous deux. Donc, j'ai essayé, j'ai jamais resté, donc ces points les plus assez larges. Et d'une certaine manière, après cette trilogie, je me suis dit, bon, ben bah ça. Euh, je peux complètement. Ça y est, est j'ai mon triangle, donc je peux partir complètement ailleurs. Et c'est là où j'ai fait Mister Mister et j'ai un peu tout cassé en noir et blanc et que j'étais dans un truc plus confus d'ailleurs, mais comme si tout d'un coup, je pouvais sortir de cette trilogie, tu vois. Comment tu fais pour aller mieux <laughs> Pour aller bien <laughs> c'est quoi aller bien Ouais. Aller bien, c'est. Euh, Aller bien, c'est je pense être en accord avec soi, être, être confortable. Et en fait, c'est souvent le bon test, c'est d'être seul avec soi-même et de. Et... Aller bien, c'est en fait d'apprécier le silence. Par exemple, on me dit souvent, c'est quoi la musique que tu écoutes en ce moment Bon, c'est vrai que puisque je suis dans une période assez active, je crois que la, ma musique préférée, c'est le silence. Et d'ailleurs, c'est un peu la quête du musicien, le silence, parce que c'est vrai que je pense à Miles Davis, je pense à des gens qui, tu vois, tout d'un coup, ils n'ont pas peur de faire une note dans l'espace et de laisser de laisser un peu d'air autour quoi de pas être dans cette peur de dire bah, la peur du vide tu sais aller bien je crois c'est être bien avec le vide avec l'espace avec le silence et de et de pas être un, inquiet dans le silence et c'est vrai que j'ai cette chance inouïe parce que je crois que la musique c'est quelque chose qui t'accompagne aussi qui c'est que je sais, je crois que la solitude n'existe pas chez moi au-delà que j'ai plein d'enfants <laughs> et que j'ai une vie très dense mais mais même quand je suis seule euh, bah, j'ai la musique avec moi j'ai j'ai une guitare pas loin j'ai je, je sais pas ce que c'est que la solitude vraiment parce que je me sens euh, toujours enrobé par quelque chose par euh, une inspiration par une guitare par un truc donc voilà et puis euh, aller bien c'est aussi peut-être sûrement euh, euh, avoir une famille euh, une famille extrêmement présente euh, avoir des gens en bonne santé autour de soi je euh, vois une harmonie qui fait que c'est vrai que j'ai malgré, mal, malgré tout ce qui nous entoure, hein, qui est quand même extrêmement euh, touchant, euh, attristant, angoissant, euh, je, je suis quelqu'un de, je suis un bienheureux. Quoi. -dire que je, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis quelqu'un de... C'est ce de... que tu te dégages, en tout cas. Oui, mais je le suis. J'en avec ce que tu dégages. C'est ça, je le suis complètement. C'est même un peu honteux hein, de dire qu'on est heureux dans ce monde-là, parce que c'est vrai que tu te dis bah, avant, mais quelle honte et d'un autre côté, tu dis non, bah ben c'est non parce que il faut bien des gens heureux aussi pour montrer l'exemple. Et c'est aussi une certaine dignité d'être heureux, enfin, de se dire que c'est que c'est possible et que c'est c'est peut-être aussi, peut-être euh, ça demande peut-être un certain travail d'être heureux. Je sais pas. En tout cas, je le fais. C'est pas un effort, mais c'est euh, mais c'est une euh, c'est une philosophie quoi. Je pense que je pense que j'ai j'ai cette chance aussi. Ma mère est une femme extraordinaire qui, est, qui a une joie de vivre hallucinante mon père aussi euh, mes grands-parents enfin tu vois donc, donc je crois que on est entouré de ça quoi on a des bons exemples c'est vrai que ça, ça c'est quand même incroyable et je crois aussi pour finir que il y a aussi un truc poétique dans la famille tu vois c'est une vision la poésie c'est quoi c'est pas lire des poèmes c'est une vision de la vie c'est un prisme tu vois c'est voir les, les choses d'une certaine manière et ça c'est vrai que j'ai eu cette chance là qu'on m'ait appris ça quoi et la drogue aussi évidemment ouais. et, <laughs> et comment tu fais quand tu as un coup de mou oui. Est-ce ouais, que as fait les petits trucs euh, ouais. à une cinquantaine d'années Ouais, c'est ça, 51 ans. Euh, non, écoute, je, je suis... Euh, je crois que c'est toujours pareil. Quand, quand j'ai quand un coup de mou, ça serait peut-être une surcharge, quoi. De, tu vois, une charge mentale un peu trop excessive. Donc, c'est tout de suite... Tu vois, j'ai une, une petite cabane dans les arbres, là, où je vais souvent. Ouais. Et... Euh, est, voilà, ma réponse, c'est toujours ça. C'est calme, du calme. Euh, de la nature aussi et, euh, et du repos en général parce que c'est vrai que c'est ça c'est ma clé c'est à dire que je me repose beaucoup moi enfin, je me repose beaucoup j'ai besoin d'une bonne nuit je fais des siestes je sais pas si vous faites des siestes énormément et euh, ça 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 a changé ma vie j'ai jamais fait un concert sans une sieste avant et euh, donc je pense que le repos euh, me sauve aussi tu vois mais c'est quand il y a ouais c'est quand il y a trop de fatigue que tu finis par te perdre un peu on peut donner un on peut donner une astuce un peu vraiment aux gens un truc très concret tu faisais pas de sieste tu t'aimes bien faire des siestes ça fait des années maintenant, ouais. Ouais, mais des années, mais tu as commencé quand même. Oui, c'est clair. Il y a plein de gens qui ont dit, mais moi je fais des siestes et tout, c'est genre... je peux pas dormir, pas mieux. Oui, c'est vrai. Vraiment, ils sont en mode rejet, Je dis, mais juste essaye, essaye. Non, non, je ne peux pas, je peux pas. C'est vrai, c'est vrai. Et d'autres, tu envie de le dire, mais... C'est quoi le truc qui t'a mis à la sieste Comment t'as fait pratiquement Qu'est-ce que t'as fait pratiquement Parce que c'est vraiment un truc, après tu te sens Oui, c'est ça, c'est ça. Non, je pense que les premières fois, tu sais, c'est un peu l'épuisement. Tu t'es vraiment fatigué. Ah oui. tu, 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 tu... <laughs> Donc, tu, tu vas t'allonger deux minutes en disant là, il faut, faut, faut faire un petit break. Et puis, tout d'un coup, c est, c est, c est... je crois que c'est aussi des natures. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est lié au lâcher prise aussi. Si tu es trop en contrôle, tu ne fais pas de sieste parce que tu dis, mais bah non, mais là, de toute façon, je n'ai pas le temps. Et puis, il faut lâcher le mental et, et se dire. Euh... Et c'est parfois, effectivement, tu as raison, il y a des siestes de 5 minutes qui sauvent une vie. Ah, c'est fou. C'est pas forcément de faire des siestes ouais. de 2 heures. C'est celles-là, d'ailleurs, les plus dangereuses. Les plus Elles dangereuses sont dures. Après, tu sortais es là. <laughs> Est-ce un rêve Est-ce ouais. une réalité C'est un hommage à son album, du coup. Comment C'est un hommage à son c est c est album, ça, tu, tu te réveilles et tu es en rivalité. Ah, finalement. bien. bien. Est-ce que tu aurais un artiste ou une artiste à recommander, quelqu'un qui t'a découvert récemment, mmh. qui va se dire Waouh, Mathieu, bah, lancer un shout-out. Ça va être fou. Ouais. Tu veux mal lancer On peut lancer un shout-out Shout-out Regarde, shout-out <laughs> shout to... Je sais pas si quelqu'un. Que... Si, si, si. Attends, attends, attends. Okay, que... Par exemple, moi j'ai découvert, grâce ouais. à toi, Emma Peters. Emma ouais. Peters, je... ah, ah, ça, ça me, me fait plaisir. Es très elle est bien. Hein. J'adore. Écoute, alors là j'ai envie de penser à une jeune artiste que j'ai croisée, euh, que, que j'ai invitée à faire des premières parties qui s'appelle Césarée. Mm -hmm. Et euh, elle a une douceur incroyable. C'est une guitariste aussi. Elle a. Un, un vrai phrasé. Elle, je l'ai vu d'ailleurs, je crois, de, sur des. J'ai commencé à l'avoir sur Instagram euh, par des amis aussi qu'on a en commun qui, qui, les, qui la managent et tout. Et puis j'ai vraiment eu, j'ai craqué sur ce, cette, cette personne, sa, sa voix, son style guitaristique. Elle vient de sortir un album très récemment. Okay. Césarée Ouais. Césarée, elle est extrêmement. Streamé douce. Ça fort la commu. Ouais, exact. Et surtout, elle est euh, en plus euh, humainement euh, exceptionnelle. Mm -hmm. Et je fais un concert d'ailleurs à hameau et euh, en fait, je fais ce concert à mots où il va y avoir, euh, qui s'appelle les Musicales. Donc, le principe, d'ailleurs, euh, dans une région qu'on connaît bien, le principe, c'est que c'est euh, un, un festival féminin. Donc, je vais féminiser à fond mon, mon concert où je vais inviter pas mal d'artistes, dont cette jeune euh, Césarée. Et une, et une autre artiste qui s'appelle Colline Rio, qui aussi a une voix divine. Je ne sais pas si tu connais. Non, on va découvrir. Et puis d'autres encore. Mais... Et puis, Char aussi. Euh, Charlène, euh, Charlène Juarez qui est la compagne de mon frère Joseph, et qui est une pianiste divine, mm -hmm. et qui en plus a aussi un univers fou, et qui a fait un album euh, instrumental de piano, mais merveilleux. Pareil, elle est venue faire des premières parties, elle sera aussi à mots C'est que des artistes que j'adore. Navo, tu veux recommander quelqu'un Oui, elle est... Alors, je ne sais même pas si on dit Feldup ou Feldup, je pense que c'est Feldup, mais la chaîne Feldup, qui est une... Un, un YouTuber qui est les... un youtubeur qui plonge dans les méandres d'internet et de, avec un petit côté un peu bizarre horreur de tout ce qui est un peu caché bizarroïde sur internet, qui, a fait, des très grandes, qui fait parfois des vidéos très longues. Donc voilà, petit shout-out pour Feldop. Non, non, il fait de la musique aussi. Mais c'est peut-être pas le même. Si, si, c'est le même. Ok, eh ben, je découvre qu'il fait de la musique, mais je ne l'ai jamais écouté, donc je ne peux pas vous recommander sa musique par contre. <laughs> je me Mathieu, est-ce que, que tu as pas passé un bon moment Ah, ouais, vraiment. Bon, cool. Tu ouais, en quand tu veux. Merci. De manière globale, euh, si vous êtes sur cette planète et que vous connaissez Mathieu Chedid ou M, allez voir Mathieu Chedid sur scène au moins une fois dans votre vie, parce que ça vaut le détour. Moi, j'ai vu Mathieu, euh, ouais, même, ouais. même avec toute ta grande carrière, je l'ai vu dans des salles froides. C'est-à-dire où ouais. l'ambiance ouais. est, ouais. est à créer. Ouais. Tu vois, l'ambiance, elle est là. Bon, les gens, ils sont là, ils sont contents d'être là. Ouais. Mais il faut les réunir. Mmh. Et, et en grand professionnel, de dire, allez, on y va. Non, je veux plus. Allez, je veux... Voilà, on donne plus. Voilà, là, il y a une ambiance. Là. Et après, <laughs> les gens sont complètement ouf. Ils sont Ils <laughs> dans tous les sens. Plus personne ne se regarde. Tout le monde est en ouais, train est de donner. Et, euh, et c'est kiffant. Et d'ailleurs, tu étais sur scène plus d'une fois, non Ah bah, ouais, à chaque hein? fois, il y, y a un délire. Hein. <laughs> c'est un vrai kiff <laughs> de film. monter sur scène avec toi un bonheur. Euh, il y a aussi l'album rivalité du live qui qui euh, allait streamer oui. ça ou allait offrir ça pour streamer les fêtes forme. de Noël non, mais les fêtes de Noël <laughs> c'est un beau cadeau pour les fêtes de Noël et puis sinon il y a, on peut, il, te, dé on peut il... te découvrir plein de choses sur ton, sur ton Instagram tu voulais racheter quelque non, chose non non je disais il y, y aura un vinyle aussi que tu ah, sais, on vinyle. aime bien faire des objets comme tu disais bien sûr. et, là, et euh, il va être très très beau avec un enfin bref de toute façon, les... je fais une forme un peu, ça, ça va être un vinyle <laughs> découpé. Non, mais ça va être non, un que... découpé, ou... non, non, mais c'est parce non. que tu sais, il y a, y a le, un œil que sur, sur cette tournée. Et, et, on a, et donc, c'est à l'or à chaud et tout ça. Et, et l'image est assez, assez, assez arty, assez belle. C'est Yann Oran, qui est un pote de toujours, qui, qui, qui m'a fait cette pochette sublime. Mais oui, oui c'est vrai que je suis fasciné par les objets. Je me dis, parce que je me dis toujours, mais qui achète des disques aujourd'hui Vous en achetez, vous euh, Des vinyles. Ah, c'est ça, hein. Bah, ça dépend, il ouais. faut que ce soit l'objet en lui-même qui ça, prend une certaine importance, voilà. parce que si c'est juste oui. un truc moins pratique ça. Bah, que oui. mon téléphone, bah, je n'ai pas trop de raison de l'acheter. Ouais. Et je ne comprends pas d'ailleurs les gens qui achètent encore des, des CD, tu vois, qui sont quand même... Ça peut être un bel objet, mais tu vois, il y a... Parce qu'ils ont des lecteurs CD dans leur voiture. Oui, mais c'est fascinant. Mais sinon, euh... <laughs> il n'y a plus que eux. Ouais. Acheter un CD, c'est ah, pour le donner. Fait. Moi, ce je, n'est je, pas pour l'écouter. Oui, c'est ça. C'est pour acheter un CD, c'est pour l'offrir à quelqu'un. Après, c'est beau d'avoir l'objet aussi, tu vois, mais c'est toujours une... Il faut que l'objet soit objet, tu vois ce que je veux dire Si c'est juste ouais. une boîte ah, en plastoc je bah, oui. avec euh, un, ah, oui, une, je feuille, une feuille carrée dedans. Une feuille carrée. mais tu vois, mais non, parce, une parce, des que... Parce, parce que la feuille carrée, une feuille carrée qui sort. La vieille feuille carrée. Tu ranges dans les bouts de plastique. quand, À l'époque où le CD est sorti, tu étais trop contente d'acheter un CD. Et en vrai, des fois, je me souviens vraiment, c'était un simple feuillet dedans et le truc transparent avec juste écrit en noir l'album que tu acheté. Ça n'existe plus maintenant. Il enfin, faut que ce soit un livres, objet, il faut qu'il un, un, un livret, faut trucs, fou, un truc hein. qui s'ouvre. Tu vois, maintenant tu te dis, je l'achète. Si, quand je l'ouvre, c'est un pop-up et tout. Il y a des fleurs. Je prends bien la tête. Hein. Ouais, c'est d'ailleurs ouais, aller voir, aller sur le site de, 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 de Mathieu. Mais c'est pour ça que je pense que ta vision du fait que les gens achètent des CD repose plus sur le fait que tu fais des beaux objets que sur le fait que les gens achètent des CD. Je crois qu'ils n'achètent pas les CD de tout le monde. On a même fait sur la précédente édition, là. c'est parce qu'il y a cette espèce de nouvelle mode c'est de rééditer ton disque une deuxième fois avec des inédits. Alors, je l'avais jamais fait parce que je trouve ça un peu bizarre. De re... mm -hmm. Mais euh, puisque justement, on avait sorti activement le disque, il n'y avait pas un, un objet assez beau. Donc là, après, on s'est fait un, un livre disque en format vinyle, mais vraiment un gros livre. En plus, tu sais, j'adore les... que le carton soit bien épais, les feuilles un peu épaisses. Il ne vraiment pas le truc cheap parce que c'est... Et, et l'objet est d'une beauté rare. C'est-à-dire que j'étais très heureux de de l'avoir fait, de l'offrir aussi. Tu sais, quand, quand tu es fier d'offrir un objet que tu as fait en disant que c'est et là ça, tu te dis ça a du sens parce que même moi je leur ai acheté ce, celui-là <laughs> je pense que c'est même un bon indicateur de oui c'est le... mais dans qui de nous deux il y avait un je me rappelle oui, il y oui, avait un vrai. truc avec une guitare ouais, qui apparaissait ça, dans ta main et c'était une sorte de tu sais les strips qu'on avait, tu oui, vois, qu avait oui, fait les... j'adore je trouve bah, ça c'était Laurent Cérousi d'ailleurs ouais. petite pensée pour Laurent aussi qui m'avait fait la pochette de de Jeudi M, qui était un scotché c'est si, une anamorphose, c'est-à-dire que mmh. un, tu te mets dans un angle de la pièce et tu vois un truc très précis, mais si tu te décales, ça fait complètement autre chose. Euh, mmh. Il avait fait la pochette de, du Tour de M où c'était l'Olympia vue d'en haut. Il avait mmh. fait la pochette de Kid Nous Deux, avec ma guitare rose. C'est lui aussi qui avait fait la pochette sublime de l'album de Bachung Fantasy Militaire où il est un peu dans, des, dans les tentes ouvertes comme ça. Enfin, bref, c'est un grand grand artiste aussi Laurent aussi. Et c'est lui qui m'avait qui fait ces flip boucles. Génial. Toujours, euh, toujours kiffant. Mm. Mathieu, tu reviens quand tu veux si tu as des ah choses à dire comme bonheur. ça pour passer. Il y a des chouquettes et des fruits rouges. <laughs> on, bah on se revoit bientôt. Mais avec plaisir. Voisin. Ouais. Bisous. Prenez soin de vous. Si cette émission vous a plu, j'ai dit bisous comme ça encore. T'as vu Non, mais je maintenant arrête. je Attends, crois que c'est <laughs> pas Naiotu <laughs> qui a dit merci parce que regarde si c'est une bouche ça fait un bisou. Parce que je vois. fois je dis c'est pas comme ça un bisou. Ouais, je fais un bisou. Prenez soin de vous. Tu vois, vrai que je suis toujours un peu. Moi je te fais chier. Je dis c'est pas ça un bisou. Ça c'est. Mais en fait, si, c'est ça... Oui, ça marche. Moi, je veux bien. Si tu cette vois... émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de de, de, de notre chaîne. Voilà, est notre <laughs> chaîne. on est très content. Elle est bien. On bien les petits canapés. Gentil. Il y a des émissions pour les écouter quand on veut. C'est formidable. Allez voir d'autres émissions. Partagez cette émission aussi si ça vous a plu. Et puis, dans tous les cas, bah, prenez soin de vous et kiffez bien. Euh, dans le détail, si vous entreprenez quelque chose, c'est dans ouais. le détail. C'est là où on fait toute la différence. Bisous, salut. Bisous, salut. 师兄。